Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Shiva Minandi. Ça fait maintenant 8 ans que je développe Nuskin. Et ce soir, vous allez avoir l'opportunité de découvrir une activité qui peut vous permettre de changer quelque chose à votre vie, améliorer votre qualité de vie, peut-être même changer votre vie tout court. Rien que ça. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir un invité très spécial. C'est une personne qui vient de Florence, en Italie, qui a fait 700 km pour venir nous voir. C'est une personne qui a un grand succès en Europe et dans le monde. Ça fait 11 ans qu'il développe l'activité Nuskin. C'est même lui qui m'a présenté cette opportunité il y a maintenant 8 ans et qui a changé réellement ma vie. C'est une personne qui est très inspirante et vous avez la chance de l'avoir. Et je vais vraiment l'accueillir et chaleureusement, Maximilien Piccinini. Quel plaisir de me retrouver dans ma ville natale. Hein. J'ai perdu mon accent alsacien en route. Vous avez tout à l'heure l'occasion de... Je suis venu avec mon épouse, de toute façon on rencontre à travers cette opportunité. Est-ce qu'on peut un petit peu te lever, après te témoigner un petit peu. On présente aussi d'accueillir Anna. Elle est suédoise, comme vous l'avez vu, blonde aux yeux bleus, vous ne pouvez pas la rater. Donc, il y a quelques-unes comme en Alsace qui existent comme ça, n'est-ce pas? Bref, en tout cas, ce soir, ça va parler de vous. On va parler de... Peut-être que c'est un moment pour vous de faire un point dans votre vie. Moi, j'avais démarré à l'âge de 21 ans cette activité. Je suis né à Strasbourg. Quand j'ai démarré, j'étais à Fürdenheim. Vous voyez, vous connaissez Fürdenheim, pour les gens qui connaissent. Il y a plus de vaches que d'humains, vous voyez. En tout cas, c'est vraiment ça l'honneur. Vous avez ici des gens qui sont absolument fantastiques dans cette activité, qui font un superbe travail, qui se développent très fort. C'est une activité qui est en plein boom. Et oui, au passage, si vous avez des téléphones, au cas où, donc on les a mis à ces téléphones, mais pas en présentation, vous pouvez juste les mettre en silencieux ou les couper complètement, c'est bien mieux. Donc vous êtes vraiment à rester très concentré lors de la présentation et d'avoir une attitude vraiment d'ouverture d'esprit. Okay, donc on aime bien dire aux gens, ouvrez votre esprit comme un parachute. Vous voyez ce que c'est un parachute? Vous voyez? Quand il s'ouvre, vous voyez? Donc ne gardez pas votre parachute fermé. Vous n'avez pas vu? Bon, très bien, tout le monde est assis, salle pleine apparemment, on va bientôt pousser les murs. En tout cas, bienvenue à vous. C'est un vrai plaisir pour nous d'être venus. On a fait en effet 760 km pour venir. Pour d'autres raisons, on a reçu une formation ce dimanche. C'est vraiment l'occasion pour nous, avant l'été, de vous transmettre certaines choses. Et donc, c'est un honneur. Je vous invite à prendre de quoi noter. N'hésitez pas à prendre de quoi noter, ne restez pas passifs. N'hésitez pas à noter les questions au fur et à mesure. Vous aurez probablement toutes vos questions qui vont être répondu au fur et à mesure, et à la fin vous aurez l'occasion de vous asseoir sûrement c'est ça, au bar de l'Holiday Inn pour poser vos dernières questions, pour aussi rencontrer les leaders et discuter. Donc bienvenue, c'est parti pour une bonne soirée. Donc comme je disais, j'ai démarré cette activité à l'âge de 21 ans. Il y a 11 ans, c'était exactement il y a 11 ans, entre temps beaucoup de choses ont changé. La raison pourquoi moi j'ai démarré, c'était pour la qualité de vie. C'est que je ne voulais pas être une personne qui allait travailler toute ma vie, 8h, 18h, ou parfois 8h, 20h, vous voyez, pour les extras, etc. Et faire ça, année après année, mois après mois, jour après jour, pendant 45 ans, 50 ans, pénalement, vraiment la retraite est augmentée en France, c'est bien ça, et va être encore augmentée, pour toucher à la fin quelque chose comme 30% de retraite. Okay. Et les gens qui sont parfois là-dedans, ouais. Ils disent, oui, mais que je fasse, j'avance, mais en fait, j'ai toujours la même chose et je recommence. Okay. Et donc vous allez pouvoir découvrir chez nous, c'est avant tout très important, on attire plus de 10 000 entrepreneurs par mois en Europe. Et il y a une chose qui est très particulière, c'est que c'est tous des gens qui pensent différemment. Si vous êtes le type de personne à penser 8h, 18h, boulot dodo, travailler toute sa vie pour 30% de retraite, alors ce n'est pas fait pour vous. Okay, c'est quelqu'un qui est prêt à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à penser différemment, et à dire maintenant peut-être que je suis arrivé à un point où j'en ai marre, peut-être que je mérite plus dans la vie. Moi, j'étais éduqué dans ma vie que je ne valais pas grand-chose, que dans la vie, de toute façon, c'était difficile, il fallait accepter les choses, et puis de toute façon, il fallait trouver un petit boulot, et puis travailler toute sa vie, accepter comme ça. Ça, je n'ai pas accepté ce genre de choses, et je ne pense pas que n'importe qui devrait accepter ça. Si vous valez plus, vous pensez que vous valez quelque chose de fantastique dans la vie, là, c'est une opportunité qui vous permet de littéralement atteindre n'importe quoi comme vous le voulez. Bon, en 5 ans, la vie a complètement été changée, c'est vraiment devenu une qualité de vie, c'est devenu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un petit bruit de fond, c'est assez marrant. Bref. Donc, ça c'est très important. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a salarié actuellement dans la salle? Ok, salarié, allez-y, très bien. Okay. Et qui est chef d'entreprise, puisque je sache? Pas. Très bien. Donc,
Chez entreprise, vous aimez les salariés, les stocks, les employés, les risques. Vous aimez ça, hein? Oui, non? Je vois. Vous aimez ça, hein? Ouais. On va pas pouvoir parler que vous avez peut-être d'autres avantages. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour ma part, la première chose que vous devez comprendre chez nous, c'est avant tout, il faut penser différemment. Il faut être prêt à s'ouvrir à des choses comme je veux avoir une meilleure qualité de vie. Notre business est basé sur la qualité de vie. C'est basé sur aider les autres à obtenir une meilleure qualité de vie. Notre métier, ce n'est pas juste à propos d'argent. C'est très important de savoir. C'est les gens qui disent « oui, moi je gagne ma vie », ok, mais ils sont souvent chiés à ce qu'ils font. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait différent, parce que le succès chez nous est basé sur le succès des autres. Le plus vous aidez les gens à réussir, le plus vous réussissez. C'est pour ça, au passage, la personne qui vous a invité ce soir, pour la remercier à la fin, ou même dès le départ, c'est qu'elle vous veut du bien. Plus vous réussissez, plus elle réussit. Par contre, vous réussir plus qu'elle, vous voyez. Et c'est assez sympa. Et donc ça, c'est notre base de métier, c'est notre façon de penser. On n'est pas sous forme de pression, comme dans certaines boîtes qui mettent des pressions sur les gens. On est là sur un phénomène de liberté, c'est vous qui choisissez la qualité que vous voulez. Très important aussi chez nous, on cherche avant tout des gens qui ne sont pas des gens, par exemple, malhonnêtes. On ne cherche pas des gens qui parlent et qui font rien. Des gens qui manquent d'intégrité, qu'on appelle, qui parlent, mais qui ne font rien. On n'a réellement pas de temps à perdre. On veut réellement des gens qui s'engagent quand ils font les choses. Plus c'est un petit peu. Et on veut tout, avant tout des gens qui sont sincères et qui veulent un réel changement dans leur vie. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on va attirer chez nous. Et c'est avant tout des gens honnêtes, positifs qu'on recherche, des gens sur qui on peut compter et qui voient grand et qui veulent un changement. Ça va? Vous êtes prêts? Donc, c'est parti. Donc, ça, c'est votre opportunité. Ce business, c'est vraiment à propos de qualité de vie, de liberté, ça vous permet de sécurité financière et ça vous permet de réellement vivre une vie riche, c'est-à-dire riche de sens. Et qu'on est à propos, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce business est basé sur l'aide de l'autre. Le plus on aide les gens à réussir, le plus vous réussissez. Donc, est-ce que ça vous arrive déjà de recommander des choses? Oui, restaurant, coiffeur, cinéma, n'importe quoi. Ouais. Il y a des gens qui ont, pour recommander un restaurant, ils y vont, ils viennent à 6 personnes, ils dépensent 500 euros, et vous, vous avez touché. Que dalle, rien du tout, niet, zéro. Okay. Et en fait, la recommandation d'avoir aux gens, il y a des gens qui aiment leur iPhone, par exemple, il y a des gens qui ont leur iPhone, les fans d'Apple, là, vous les connaissez, là, les fans d'Apple, voilà. Ah bien, vous avez déjà recommandé l'iPhone, vous avez déjà dit, mais jette ce truc et achète ton iPhone, vous avez déjà fait ça. Hein, vous avez déjà fait ça. Pour les gens, et puis, bon, pour les gens qui n'ont pas encore un iPhone surtout un Mac, ça veut dire que vous n'avez pas encore testé. Le jour où vous testez, bon, ben, je regarde ces petites blagues. Mais c'est pour montrer qu'on fait des recommandations en longueur de journée. Moi, j'ai recommandé des choses, on m'a recommandé des choses. On a acheté même une voiture sur une recommandation, c'était quand même une voiture assez chère. Et la personne n'a rien gagné du tout. Nous, on est arrivé dans la concession Audi, c'était pour acheter. Il n'avait rien à faire. Et on fait ça en longueur de journée, le problème, c'est qu'on n'est pas payé pour ça. Ce qui est un peu dommage. Donc, notre métier, c'est juste de la recommandation. Ce n'est pas plus bête que ça. La différence, c'est que vous allez pouvoir commissionner dessus encore et encore et encore le reste de votre vie. Pour nous, c'est ça. Vous allez découvrir 5 facteurs clés de la réussite dans ce métier. Et avant tout, ça va être tendance, partenaire, produit, rémunération et timing. Donc on va voir tout ça. Donc vous allez voir qu'il va y avoir 2 tendances principales, qui va être la crise et l'anti-âge. C'est ce qu'on va parler dès maintenant. Alors, ça va, vous connaissez la crise, vous avez entendu parler ça à la radio, je pense que vous le savez. Donc c'est un phénomène assez intéressant, parce que la crise, si vous discutez avec certains économistes, ce n'est rien, ce n'est pas vraiment une crise, c'est une transformation de l'économie. C'est vraiment qu'on peut pas. C'est une finition d'un système qui ne peut plus durer. Ouais, c'est que qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce que moi j'ai appris à l'école pendant des années. J'ai appris qu'il fallait travailler dur pour avoir un bac. Pas vrai? Okay, vous avez tous eu le bac, même si c'est pas important. J'ai travaillé vraiment dur. C'est incroyable, comme à 18 ans, ce que j'ai mis comme temps et énergie, j'ai tellement sacrifié des journées entières. Et je me suis dit, purée, j'ai eu enfin le bac. J'ai même une mention assez bien, vous voyez. J'étais tout fier. Et enfin, on me dit, aux autres, ça sert à rien, un bac. Mais ça sert à quoi de l'avoir? Mais là, il faut faire des études. Et heureusement pour moi, j'avais mon frère qui avait un peu d'avance. Il avait des études d'économie, donc moi j'ai suivi. Hein. Et moi, il avait déjà un bac plus 5 à ce moment-là, et lui, il continuait dans son doctorat. Donc lui, vraiment, il travaillait. Plus vous montez dans le doctorat, etc., plus ça travaille, quoi. Et c'est littéralement, c'est parmi les plus belles années de sa vie, on les flingue derrière des études. Et ce qu'il me disait, ben voilà, les gens qui ont maintenant un bac plus 5, ils vont dans une banque, c'était fac déco, hein, ils disent, ben voilà, tout ce que vous avez appris, de toute façon, c'est de la théorie économique. Vous oubliez tout ce que vous avez, mais vous allez apprendre des parts au guichet comme tout le monde, à gagner 1200 euros par mois. Là, je me suis dit, mais pourquoi je vais me faire chier 5 ans pour recommencer au guichet, quoi. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Pour écouter des études, des théories de Marx et de Keynes et de toutes sortes de théories à 2 balles qui n'ont jamais été appliquées dans l'économie, et la personne fait les mêmes cours que son professeur qui a fait ses professeurs des années 50. J'ai dit, bon, là, il y a un problème. Donc la deuxième, j'ai passé un an, j'ai fait mon bac plus 1, et la deuxième année, j'ai fait la première semaine,
pour ça que j'ai toujours, j'ai un bac plus 1 et une semaine, hein, c'est réel. La deuxième semaine, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc je me suis dit, il faut mieux que j'aille dans la vie active. Par contre, là, je n'étais pas qualifié, mais rien, etc. Donc j'ai dû chercher des solutions. Alors j'ai cherché un peu partout et j'ai découvert ce business qui s'appelle Nuskin. Donc, et ça, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que je me suis dit, mais je n'ai pas, on ne me demande pas de diplôme particulier, même si vous en avez un, c'est très bien, ça ne vous empêchera pas de réussir au cas où. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 1 une semaine ou moins en plus pour réussir, hein, je vous rassure. Mais ce que j'ai vu là-dedans, c'est que c'est une question de détermination, c'est une question de valeur. C'est bien cette personne qui est honnête, positive et qui est prête à travailler, peut se créer une vie extraordinaire. Okay, et ce que j'avais remarqué, c'est que des gens encore qui ont 40 ans, par exemple, ça fait déjà 20 quand ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont comme solution maintenant? Ils disent, ça fait maintenant 20 ans que je travaille. Ça fait déjà 4 fois ou 5 fois qu'ils changent de travail. On change tous les 3 ans de travail, tous les 3,2 ans en moyenne de travail. Je pense que vous le savez peut-être un petit peu, peut-être que vous le voyez autour de vous, peut-être que vous le voyez l'expérimenter, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on recommence à zéro, et on recommence à zéro, et on recommence à zéro. Et on fait ça pendant 30 ans plus. La retraite est à 67 ans maintenant, c'est ça? Non? Pas encore? 65? Bon, 70? 62, bon, ça ne sera pas très longtemps. Les Suédois sont passés déjà à 70 ans. Donc c'est juste, s'ils mettent à 70 ans, là, il y a la révolution en France. Donc, je préfère le mettre un peu plus tard. Mais ça va arriver, c'est obligatoire. Et au passage, on va se leurrer quand on parle déjà de retraite. Maintenant, c'est de retraite à 50%. Je pour vous, mais travailler toute sa vie pour toucher 50% ou 40%, 30%, je pour vous, mais c'est un peu difficile, non? Donc ce plan-là, il est terminé. Cette économie a changé. On ne peut pas continuer à penser la manière dont on pensait dans les années 50. Où en effet, là, on pouvait avoir un bon boulot, on gagnait bien notre vie, on gagnait 20 000 francs par mois, on vivait super bien. Vous vous rappelez les 20 000 francs? Bon, pour les jeunes, vous ne vous rappelez pas, quand je suis jeune, les 20 000 francs par mois, on gagnait très bien sa vie avec 3 000 euros par mois. Ce n'est pas aussi bien que 20 000 francs il y a quelques années, ça c'est clair. C'est la survie financière, c'est aussi bête que ça. Okay? Donc là, on a une possibilité d'avoir un changement. L'économie est juste en train de changer. Okay? Et il y a des gens qui sont contre la vague. Là, ils se prennent la vague, mais droit dans la gueule. J'ai donné un exemple. La première fois qu'on était à Hawaï pendant un mois, au mois de mai, et j'ai pris mon premier cours de surf. Alors, il y a des gens qui ont fait du surf déjà? Ouais. Ok. Alors, c'est génial quand la vague vous prend et vous porte, il y a un phénomène de ouh, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est génial. Moi, c'est que je ne savais pas comment. Parce qu'une fois que vous êtes au bout du rivage, il faut repartir. Alors là, il faut nager comme un malade. Et moi, c'est qu'il y a des vagues qui vous arrivent sur la gueule, mais des trucs de 4 mètres qui fait qui m'a... Et moi, c'est que je me rappelle, je fatiguais, je reprenais le vague, et du coup, je me rendais compte, je n'avais même pas bougé d'un mètre, quoi. Parce que j'étais complètement j'étais contre la vague. Hein. Donc, vous préférez être contre la vague ou vous voulez être sur la vague? Et voilà, et donc, il faut juste être sur le bon côté de la vague. Et quand vous êtes sur le bon côté, bizarrement, il y a des gens qui ne sont jamais aussi enrichis. Nous, on a une progression de 40-50% annuelle en France. On n'a pas de problème. L'entreprise a progressé de 400 millions de dollars en un an en 2012. De 1,7 milliard à 2,1 milliards. On est contre la vague ou avec la vague? On est clairement avec la vague, parce qu'on est dans les bonnes tendances au bon moment. Donc la question pour vous, c'est est-ce que vous êtes dans la bonne vague ou contre la vague? Donc ça, je ne vais pas vous rater, mais on parle vraiment de réels problèmes, l'augmentation, on travaille de plus en plus pour gagner moins en moins, les retraites vont être catastrophiques, etc., etc. Même chose pour les chefs d'entreprise. Donc c'est les chefs d'entreprise, vous savez ce que c'est d'avoir des stocks, des employés, des risques, travailler parfois jour et nuit. Pour la fin, on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et la retraite pour les chefs d'entreprise, c'est encore pire. Okay? Donc c'est... Alors certains se débrouillent très bien, n'empêche pas qu'ils ont des lourdes responsabilités, et moi, je n'étais pas prêt à avoir ça. Donc moi, ce que je cherchais, c'est d'avoir cette qualité de vie, d'avoir une rente financière qui permettait de voyager, de faire ce que je voulais. Donc c'est ce qui est possible pour vous ce soir. Donc, bon, on va faire augmentation, taux de chômage record, etc., incertitude, recul de départ à la retraite, etc. Donc la plupart des gens, ils font quoi? Ils font ça. Okay. Il se met la tête dans sa vie, donc j'espère que ça va changer. Bon, on va voter quelqu'un d'autre et puis j'espère que ça va changer. Non, c'est très bien que ce n'est pas un président qui va changer que ce soit. À la fin, c'est il faut juste changer sa manière de penser. C'est aussi bête que ça. Il faut arrêter d'être dans le mauvais véhicule. La majorité des gens, ils sont dans une bicyclette à réellement. Pour faire un kilomètre, ils sont déjà foutus, alors qu'il y a des gens qui sont dans un véhicule de skin, ça s'appelle un TGV, ils se mettent dedans et en l'espace de autant de temps, ils sont déjà à Paris. C'est le moment d'être dans le bon véhicule, dans le mauvais véhicule. Donc on va vous apprendre d'être dans le bon véhicule. Ce qu'on n'apprend surtout pas à l'école, parce que si les professeurs le savaient, ben, ils ne feraient pas pour 1200 euros par mois un enseignement. Non mais, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Alors, on est bien d'accord. Okay? Donc il faut la clé, là, dans tout ça, première règle d'or, c'est de sortir la tête de table. Donc est-ce que vous êtes prêt à sortir la tête du sable? Et de dire, ok, je suis prêt à m'ouvrir, à regarder la face, ok, non, est-ce que je suis satisfait avec ce que j'ai? Si vous êtes satisfait, c'est fantastique. Mais si vous êtes là ce soir, peut-être que ça m'indique quand même, peut-être qu'il y a une ouverture, peut-être que pas tout qui est, vous voulez peut-être chercher quelque chose de plus dans votre vie. Je ne me trompe pas.
Donc, vous êtes prêt à vous dire, ok, j'en ai peut-être marre d'en avoir marre, ou ça va bien pour moi, mais ça pourrait être beaucoup mieux, et donc je suis prêt à m'ouvrir l'opportunité. Donc, bienvenue, et bienvenue à vous ouvrir comme un parachute. Donc, business traditionnel, c'est quoi? Donc, souvent, la plupart du temps, c'est quoi? On commence dans la vie active, on travaille. Bien qu'on l'a dit, maintenant, ça fait 4 fois que je me fais virer, j'en peux plus avec mes patrons, j'en peux plus, j'ai pas continué comme ça, j'ai 43 ans, j'en peux plus, j'ouvre une boîte. Et là, les emmerdes commencent. Ouais? Ah, il faut aller à la banque, il faut faire les business plans, les trucs, les déposer le logo. Ah, bah, je peux pas déposer le logo, on va me prendre mon logo, on va m'attaquer entre eux. Il faut déposer un truc, il faut déposer une marque, 30 000 euros. Puis après, les RSI, vous en pas allumé la première année. Ils vont vous allumer la deuxième année. Ah, vous connaissez ça, les gens. Ils vont pas vous louper, la RSI. Et puis ceci, puis ça, les stocks. Puis après, ah, non, c'est qu'il y a un employé qui va vous faire ceci, vous piquer dans la caisse, et puis les problèmes, et puis votre associé qui va vous flinguer, qui va retrouver une boîte. Vous connaissez ça? Je sais, ça, c'est des trucs tous les jours que j'entends en permanence de chez l'entreprise. Et ça, c'est une vie extrêmement difficile. Moi, j'ai un profond respect envers la chaîne d'entreprise. C'est des gens qui se payent en dernier, qui prennent des gros risques et qui sont extrêmement taxés. Et puis qui... ça rame, quoi. C'est extrêmement difficile. Il faut avoir une force incroyable. Donc, et souvent, les risques sont monumentaux pour un chaîne d'entreprise. C'est des risques énormes. La plupart des entreprises, ils ne s'y tiennent pas 5 ans. 90-95% d'entreprises ont fermé avant 5 ans avec souvent des dettes. Et souvent avec des coûts de la famille où ils n'ont jamais pu, ils ont travaillé jour et nuit, etc. Pour moi, c'est rarement, je vois quelqu'un qui a une qualité de vie dans ce domaine-là. Notre business model, c'est plutôt risqué. Enfin, on ne parle pas vraiment de risque, en fait. Ce que vous allez voir, c'est juste changer de marque de magasin. Donc, au pire, vous aurez des produits moins chers à vie. Ça, c'est le plus grand risque qu'on a. Par contre, le potentiel est illimité. Moi, c'est ce qui m'a plu. Je me suis dit, si j'ai envie de développer fort, je peux développer fort. Ce n'est pas quelqu'un, mon patron, qui va me dire. Ce n'est pas parce que je suis limité à un endroit. Je suis pas limité. On est limité. Parce qu'il y a 53 pays, on peut développer du business. Il n'y a pas de limite, c'est la force du réseau. Donc les tendances dans les médias, donc ça c'était la première chose, c'est la crise financière. La deuxième tendance principale qu'on est en train de surfer, mais qui est une méga vague, c'est le marché de l'anti-âge. Okay. Est-ce que je pense que vous êtes tous d'accord que l'anti-âge est un marché colossal et qui va progresser en plus de 70% dans les 3-5 prochaines années. Donc la clé dans tout ça, c'est qu'on va parler d'un marché de 1 trillion de dollars, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est 1 000 milliards de dollars qui vont être générés annuels, okay, d'ici 3-5 ans. Le but dans tout ça, le but de chacun d'entre vous, c'est de prendre une part de ce marché-là. Une grosse, une petite, l'important c'est de prendre une part. Même si quelqu'un, c'est pas extraordinaire, vous n'avez pas de talent particulier comme moi, je n'avais pas au départ. J'avais 21 ans, un bac plus 5 une semaine. J'avais tellement peur que le premier appel, j'ai mis 3 heures à passer parce que j'avais tellement peur de l'appel. Je viens de quelqu'un qui j'avais pas tout pour réussir, croyez-moi. Hein. Mes parents, on était 4 enfants, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Mon père nous coupait les cheveux, des profs de français, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour couper les cheveux. Donc, pour montrer que je viens pas d'une famille. Aisé, facile, rapide, où j'étais dans l'entrepreneur, loin de là. Donc c'était pour moi possible de changer. Mais là, on est dans un marché mais colossal, monstrueux. Vous êtes capable de prendre une petite part de marché. Avec ça, vous êtes peinard le reste de votre vie. Donc là, vous êtes sur une méga vague, pas contre une méga vague. Okay, voilà ce qui se passe. Donc, tout est actuellement dans le boom de l'anti-âge, restez jeune. Tout le monde s'y met, les hommes s'y mettent, les plus jeunes s'y mettent, et compagnie. Ouais. Qui s'est déjà mis une crème dans sa vie, bah, les hommes peuvent le montrer, pas de problème. C'est normal hein, chez les hommes maintenant. Vas-y, qui se met une crème, qui se soigne, qui se met des shampoings, qui se prend une douche. Qui se prend une douche. Il n'y a personne qui prend une douche à Strasbourg. C'est marrant. Ok, bon. Ah, c'est marrant. Ouais, je rigole. Donc là, on a parlé. C'est une méga vague qui arrive. Ça va atteindre. Alors, il parle 10 ans, mais ça va se faire beaucoup, beaucoup bien avant. Ça va se faire d'ici réellement 3-5 ans. On parle vraiment d'un marché colossal à prendre. Qui vous permet à vous et votre famille, pour le reste de votre vie, d'avoir une rente financière. Et on va expliquer comment ça marche, cette rente financière. Alors, maintenant, on va passer au point numéro 2. On n'a pas les tendances, donc vous avez compris qu'il y a une grosse vague sur la crise, et contrairement à ce qu'on croit, pour nous, la crise, c'est un accélérateur. Parce que souvent, les gens se disent, je ne veux pas continuer dans la scène comme ça, je ne veux pas continuer à me faire presser comme ça, je ne veux pas continuer avec des entreprises comme ça, j'en veux plus, j'ai envie de changer ma manière de penser, et j'ai envie de trouver une opportunité qui permet une meilleure qualité de vie, plus de liberté, plus de temps, permet de choisir ma journée comme je veux et choisir mon revenu. Donc, il y en a plus de 10 000 entrepreneurs par mois qui nous rejoignent chaque mois dans ce business en Europe. Donc maintenant, on a parlé de la deuxième tendance, c'est l'anti-âge. Maintenant, on va passer sur le partenaire. Dans un marché comme ça, par exemple, le marché automobile dans les années 50, il y a eu un boom. Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été créées. Maintenant, il en existe quoi, 10 ou 11. Évidemment, c'est seulement les sociétés qui ont développé le rang de la top qualité qui ont tenu. Là, on est dans le même marché. Il y a beaucoup de sociétés qui se créent parce qu'ils savent qu'il y a un énorme business à faire. Par contre, pour créer une société de cosmétiques actuellement, il faut se mettre bonheur quand même. Hein. Il faut avoir quelques millions d'euros à investir ou être bon pote du politicien, si vous voulez dire, ou du banquier, vous voyez. Et c'est énormément de travail. Et puis, vous allez être complètement nagé dans la masse. Nuskin, ils ont un terme que vous voyez ici qui s'appelle la différence démontrée.
Ils sont en train de bouffer le marché à grand V parce qu'ils sont capables de démontrer les choses contrairement à parler. Il y a beaucoup de sociétés qui parlent, promettent des choses et les gens sont extrêmement déçus. Est-ce que je peux voir dans la salle aux gens qui ont déjà acheté des crèmes qui étaient supposées être miracles, en tirer des compagnies et vous n'avez vu aucune différence? Et ça, ça arrive en père, ma... Non, c'est pas vrai. Et à un moment, les gars râlent la casquette, les gens disent « Non, on se fout de ma gueule. Je m'en fous de la star, de ceci qui va au bien ou pas. J'achète des crèmes à 250 euros et je vois aucune différence. Et j'en ai marre. » Et l'achète encore parce qu'ils ont aucune solution. Okay, c'est ça qui est incroyable. Mais alors, bizarrement, imaginez-vous si vous avez un produit ou quelqu'un, après tout, vous l'avez déjà vu, qui est capable de vous démontrer les résultats sur elle, sur lui, sur ses résultats, sur les bras, etc. On va en parler quelques photos, etc. Vous montrer sur sa cellulite, sur le visage, etc. Qui peut être capable de démontrer et même de dire non, non, ne me crois pas. Tu l'essayes pendant 5 minutes sur la moitié de visage et vous pouvez voir en 5 minutes les résultats. Ça, c'est différent. N'est-ce pas? Qui a déjà testé le Galvanic Spa, juste que je sache, Galvanic Spa? Ouais. Qui n'a jamais testé, qui a jamais vu les produits, qui ne sait pas de quoi ça parle, juste que je sache. Très bien. Moi, juste ce que vous demanderez, c'est une démonstration moitié de visage, ou moitié de fesses, ou moitié de ce que vous voulez. Okay. Oui, il y a des gens qui font ça. J'ai entendu une esthéticienne à Cannes qui monte ses fesses, un tout Cannes, mais ça vend. Voilà. C'est côté cellulite, côté pas cellulite, c'est aussi bête que ça. Hein. Elle vend. Bon, elle ne monte pas à tous les hommes quand même, elle monte aux femmes. Okay. Donc, ça, c'est votre partenaire. Donc, ça, c'est un leader international dans l'anti-âge qui vraiment a pour mission l'excellence. Donc c'est une entreprise basée sur la preuve, sur la science, et pas sur le blabla commercial. Il y a des sociétés là-dedans qui se foutent de la gueule du monde, qui sont en train de, en permanence de mentir à longueur de journée. Je vous garantis, c'est comme ça. Ils sortent le même produit, à gauche, à part, et à droite, ça part, c'est le même produit. Il y aura juste des parfums différents, et une petite touche brillante qui change un petit peu la couleur. Un est vendu 300 euros, l'autre 30 euros. Je déconne pas, hein. On va nommer la marque à qui j'ai discuté le directeur commercial à Paris. Mais je sais que ça ne marche pas. Nous, là, pour faire du business. J'ai failli mettre un pain dans la gueule. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible d'être un con comme ça. Oui. Et c'est comme ça. C'est le business. On se fout la gueule du monde. Et puis, c'est pas grave. Donc, chez nous, c'est pas ça. Chez nous, moi, ce qui m'a beaucoup attiré en entreprise, c'est ce côté de valeur. Côté qui tiennent leurs promesses. Ils racontent jamais un truc qu'ils ne peuvent pas démontrer derrière. Okay. Il y a des études scientifiques et cliniques derrière. Par exemple, vous allez sur edgelock.com, vous allez voir ça. Il y a 42 pages d'études scientifiques et cliniques publiées sur Internet. Vous avez tous les bienfaits, tous les arrêts. Tout est démontré par la science et pas sur du blablabla. Okay. Ce n'est pas du marketing, c'est de la science derrière. Donc, c'est une entreprise qui a une véritable société milliardaire. C'est-à-dire que vous avez déjà plus de... Bon, ça, c'est le bâtiment, passage, qui est en train d'être fini. C'est le designer d'Apple, le designer du bâtiment d'Apple, qui a fait ces bâtiments. Donc vous avez un bâtiment magnifique qui est à Provo aux États-Unis. Et donc là, vous avez déjà 1,25 milliard de dollars qui est déjà investi dans votre business. Imaginez, vous démarrez un business, combien il faudrait pour investir? Vous savez ce que c'est en tant que chef d'entreprise, combien il faut investir pour faire les choses? Là, vous avez déjà 1,25 milliard qui est déjà investi pour vous. Donc, c'est plutôt sympa. Opportunité internationale dans 53 pays. C'est-à-dire qu'actuellement, Anna et moi, on a un business dans maintenant 23 pays avec des sources de revenus différentes. Je trouve ça génial, comme dire, ben nous on est en Italie, on a un business en France, on a un business en Suède, et ça continue à se développer avec ou sans nous, et on touche même avec des différentes monnaies, on est continué à être payé en euros sur notre compte en banque. Et ça c'est possible pour vous, bien sûr. Société cotée en bourse, vous pouvez vérifier, c'est Scognus, elle vient d'arriver à encore un record au niveau de bourse, c'est une entreprise qui se porte merveilleusement bien. Vous allez voir quelques chiffres, top 5 des entreprises à qui on peut faire le plus confiance, les plus fiables aux États-Unis dans ce qu'on appelle les mid-cap, les sociétés moyennes capitalisation boursière. Alors qu'ils connaissent un petit peu, et ça c'est par Forbes Magazine. Forbes, c'est un véritable magazine sérieux, pour les gens qui connaissent Forbes, c'est extrêmement sérieux. Vous avez une société là, Béton. Elle a été élue au passage, elle vient d'atteindre 2,1 milliards en 2012, donc 400 millions d'heures de progression, c'est une entreprise qui se porte merveilleusement bien, et qui a été élue société la plus innovante aux États-Unis en 2010. Donc, je répète, la société la plus innovante en 2010, ce n'est pas Apple, ou en anglais, on parle de Nuskin. Vous avez une entreprise extrêmement sérieuse sur qui vous pouvez compter, qui prouve et qui démontre les choses. Il y a beaucoup trop de gens qui parlent, ils ne peuvent pas démontrer les choses. Notation à 5,1 de l'ouvrage, si je ne peux pas rentrer dans les détails, ça c'est la meilleure note pour les gens qui se connaissent dans la finance. On ne peut pas faire mieux en termes de cotation, de fiabilité, de nickel. Par exemple, ils ont 250 millions de dollars de cash flow. Ils ont du cash à la banque au lieu d'avoir des dettes de partout. Ce qui leur permet d'acheter des brevets, des scientifiques, des entreprises, ce qui leur permet d'avoir une avance scientifique. Succès connu depuis 1984, donc ça fait maintenant 29 ans que ça existe. En France, alors réellement, ça fait 11 ans qu'on a commencé à développer les choses. C'est vraiment 5-6 ans que ça bouge très, très fort. Donc, à savoir aussi, c'est une entreprise qui est basée sur des valeurs, dont je vais parler tout à l'heure. Et pour le démontrer, par exemple, on a une gamme de produits qui s'appelle Époque, qui est une gamme ethnobotanique. Et à chaque produit acheté, il y a 25 cents d'euros qui est reversé dans cette association qui s'appelle Frost for Good, qui permet, par exemple, la sauvegarde de la forêt amazonienne,
par exemple, de faire des écoles pour les enfants sans parents, orphelins, merci, etc., etc. Vous pouvez aller sur forcesansgoutte.org, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Il y a aussi Nourish the Children, donc je vous invite aussi à aller sur nourishthechildren.com. On en parle déjà plus de 300 millions de repas, ça a été bien sûr mis à jour entre temps. Et on parle vraiment, donc c'est vraiment un système pour repas pour nourrir les enfants dans le monde. Anna et moi, elle était même au Malawi, en Afrique, pour le voir. C'est impressionnant ce que fait, donc c'est les repas qui sont reversés, c'est pas le vitamine, mais vraiment de nourrir les enfants. Donc ça, c'est un programme qui est complètement intégré dans l'entreprise. On a le choix de dépasser les 800 à 900 enfants qui sont nourris tous les mois, automatiquement, permet d'avoir quand même une meilleure qualité de vie, aller à l'école, etc. Donc plutôt qu'ils se retrouvent aveugles, par exemple, à l'âge de 12 ans, ou même qu'ils en meurent. Donc c'est un programme absolument fantastique. Et ça, c'est une entreprise qui a, pas seulement qui va le dire, mais qui va le faire. Les fondateurs, on les connaît personnellement, on les a appris à découvrir. C'est des gens qui ont vraiment un cœur extraordinaire. C'est pas des gens juste pour l'argent. Ça, je peux vous le garantir. Et quand vous allez découvrir le cœur de l'entreprise, vous allez voir que c'est pas du show, c'est la réalité. C'est très important pour nous. En tout cas, moi, je ne pourrais pas concevoir faire du business, c'était juste pour faire du business. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que j'ai besoin de savoir que je fais quelque chose de positif dans la vie des gens. Sinon, je m'embête, quoi. Donc, expertise scientifique, j'en ai parlé. Donc là, vous allez entendre parler d'un terme, LifeGen Technologies. Okay. On peut noter les questions, hein ? Okay. Et puis à la fin, on pourra en répondre. Ce serait super. Génial. Donc, LifeGen Technologies. Donc, qui connaît LifeGen ? À part les... distributeur dans la salle. Okay. Donc LifeGen, c'est une société qui était dans le Wisconsin américain, qui a 30 années de recherche d'études scientifiques et cliniques pour la découverte de ce qu'on appelle les groupes de gènes de jeunesse. Parce que ça a l'air un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais depuis 2004, le génome humain a été décodé. Je ne sais pas si vous le savez. On parle de plus de 3 milliards d'investissements depuis, je crois, de 17 pays différents qui ont tout à faire pour faire décoder le génome humain. Et ça, croyez-moi, c'est une opportunité. C'est juste le début d'une énorme vague. Être capable d'être positionné avec une entreprise pareille, vous avez un avantage qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire par gène humain ? Il y a 25 000 gènes qui ont été découverts. Par exemple, on sait qu'il y a 25 000 gènes, en gros, dans votre corps, dans notre corps. La différence, c'est comme si je vous disais qu'il y a 25 000 hiéroglyphes et que vous ne savez pas les lire. Ça vous sert à quoi ? À rien du tout. Donc, ce qu'a fait LifeGen, ils ont passé 30 ans d'années de recherche à découvrir, par exemple, quels sont les profils des gens qui ont l'air d'avoir 30 ans, mais qui ont en fait 45 ans. Et vice-versa, pourquoi il y a des gens qui ont 45 ans et ils en paraissent 60. Vous voyez ? Qu'est-ce qui fait ? Ils ont découvert ce qu'on appelle les groupes de gènes de jeunesse. Et ça, c'est une révolution. Alors, quand on parle de gènes, ça, en aucun cas, il y a la mutation génétique. Hein, on ne change pas, on peut faire ça. C'est tout simplement comprendre comment les gènes s'expriment. Donc, par exemple, il y a des groupes de gènes, on va expliquer un peu mieux. Par exemple, ce jeune homme, dans quelques années, ces groupes de gènes qui va produire l'élastine, par exemple, va tomber. Il y a des femmes qui connaissent ça, l'élastine qui tombe. Ça va arriver, mais un jeune homme, heureusement pas, parce que tu as le C3 Hedgehog, donc tu n'en auras besoin. C'est trop facile, tu en auras besoin, mais quoi, tu fais de la prévention. Tu n'as pas besoin d'avoir le truc qui tombe comme ça. Ou comme ça, même partout, vous voyez, les ailes de poulet, vous connaissez ce genre de choses, et puis c'est horrible, hein, n'est-ce pas ? Il y a plein de gens qui en ont marre de ces trucs et qui veulent des solutions. Alors, on parle de l'hydratation, on parle même de la mémoire, on parle même de la vitalité. On parle de tous ces éléments qui ont l'air avec l'anti-âge. Nuskin a découvert ça il y a quelques années, ils ont racheté tous les brevets, tout les peintures, on parle de 18 brevets sur la marque, la technologie pour mesurer ça. Et là, ils peuvent tester les meilleurs ingrédients. En quelques minutes ou en quelques jours, ils peuvent savoir quels sont les meilleurs ingrédients dans la bonne quantité qui fait les meilleurs effets. Qu'est-ce qui fait que ça réactive les gènes le mieux possible pour que ça fonctionne, pour que le corps reproduise du collagène, de l'élastine, etc., par exemple, ou la vitalité, comme ça fonctionne à l'âge de 20-25 ans. Ça, c'est une révolution. Alors, toutes les autres sociétés, ils font un peu... On a apparemment découvert qu'il y avait une plante qui, d'après 2000 ans, il y a 2000 ans, ils utilisaient ça, on va les mettre dedans, c'est pas comment le mettre, on peut pas le tester, on peut pas le voir, ça coûte trop cher de toute façon. Ça, c'est pour ça que la plupart des marques, quand vous les testez, ben, ça ne marche pas. Alors que la différence, quand vous faites une démonstration galvanique, quand vous testez les produits Nuskin, il y a un véritable changement anti-âge. Tous les gens qui ont testé les produits pendant 1, 2, 3 mois voient un réel phénomène anti-âge. Ce qui est incroyable, mais c'est réel. Même moi encore, je m'impressionne de voir les changements chez les distributeurs ou les clients qui ont vraiment des changements anti-âge. Ça, c'est une avance scientifique. Et pour ça, Nuskin travaille avec Stanford University. Pour les gens qui connaissent, c'est une université les plus réputées au monde en termes médicaux et scientifiques. Ça, c'est les partenaires. L'entreprise que vous voyez ici, alors, vous avez 75 scientifiques à plein temps qui travaillent dans l'entreprise. Vous avez aussi 150, alors ça c'est énorme, ça a l'air de te con, mais la plupart des sociétés, ils en ont un en consultant. Là, on parle de 75 scientifiques à plein temps dans l'entreprise. Numéro 2, plus de 150 scientifiques dans plus de 25 universités dans le monde. Et là, ce que vous voyez, c'est encore des autres scientifiques qui sont ce qu'on appelle le comité consultatif externe. Et ça, c'est absolument fantastique. Et c'est un niveau d'exigence de qualité absolument incroyable. Alors, par exemple, je vous donne juste un exemple. Vous voyez ce monsieur-là ? Vous voyez ce monsieur-là ?
vous allez tous le connaître, Carl Gerasi. Carl Gerasi, c'est le fondateur de la pilule contraceptive. C'est un homme qui est multimilliardaire, il n'a pas besoin de travailler. Par contre, il est payé par Nuskin pour son savoir scientifique, pour vraiment valider que les produits sont bons. Donc, ce n'est pas de la gnognotte chez Nuskin, vous voyez ce que je veux dire? C'est du très, très, très sérieux. Par contre, des sociétés comme une autre personne, comme par exemple Lester Packer. Lester Packer, qui est le père des antioxydants. Vous entendez parler des antioxydants, c'est lui qui l'a découvert en premier. Il est le comité consultatif de Nuskin. Voilà, c'est le comité consultatif. Donc, tout ça, ça a amené à une marque qui s'appelle Edgelock. Edgelock veut dire verrouiller l'âge. Ça va? C'est basé sur la réactivation des gènes qui permet de vous permettre, à travers des plantes, de réactiver pour qu'elles fonctionnent à l'optimal, pour qu'elles puissent reproduire elles-mêmes, la peau, votre peau, du collagène, de l'élastine, etc., etc. Ça va jusqu'à présent? Si vous ne comprenez pas, c'est normal. Hein. Moi, j'ai rien compris la première fois. Donc, c'est juste de. Donc, on parle vraiment de la fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence a été recherchée parmi des millions d'années que l'être humain, en tout cas des milliers d'années que l'être humain cherche cette fontaine de jouvence. Personne ne veut être vieux. Et quand vous êtes capable de réellement avoir des effets anti-âge, et on n'est que au début de la vague, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire à surfer. Donc, il y a vraiment une différence. Et au passage, Nuskin fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont un équilibre entre intérieur et extérieur. Très peu d'entreprises font les deux. Là, on parle vraiment d'intérieur et extérieur. Donc on est capable de soigner et faire l'anti-âge de l'extérieur à l'intérieur ou l'intérieur à l'extérieur. Ce qui fait que le mix est fantastique, tout est basé sur Edgelock, tout est basé sur la science, etc. etc. Donc Edgelock c'est quoi? C'est 18 brevets internationaux protégés, ça permet d'aller à la source du vieillissement plutôt que essayer de cibler l'extérieur en quelque sorte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc Edgelock c'est quoi? C'est une approche génétique révolutionnaire de l'anti-âge, 30 années de recherche. On passe d'une science exclusive et brevetée, personne ne peut copier ce qu'on fait. Identifier, cibler, reformater les gènes de jeunesse, une gamme de produits anti-âge, hors catégorie, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Et il n'y en aura pas pendant au moins 15-20 ans, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va parler un peu d'innovation. Alors, on a parlé tout à l'heure d'Apple. La force d'Apple, non seulement ils font certes des très bons produits, mais surtout ils innovent. Ce sont les maîtres d'une innovation. Et c'est pour ça qu'ils ont pu capturer, je crois, des parts de marché, parce qu'ils ont innové sur l'iPhone, l'iPad, le nouveau MacBook, etc., etc., le mini iPad et compagnie. Nuskin fait la même chose. Nuskin, vous allez voir, a été appelé l'Apple de l'anti-âge. Ils sont capables d'innover comme personne n'est capable de le faire. Donc là, vous avez toute une série de produits qui est sortie. Ce produit a fait, je ne sais plus combien de ventes, c'était 100 millions de dollars, je crois. 100 millions de dollars de ventes en 3 jours. Genre on attend un produit qui va sortir basé sur la réactivation des gènes pour tout ce qui est gestion de poids. Ce n'est pas seulement perte de graisse, c'est vraiment augmenter les muscles et compagnie. C'est un truc qui est basé sur la science. C'est un marché qui va se. Un produit qui va se vendre à 600 millions de dollars en l'espace de 3 jours en octobre. C'est ce genre de chiffres qu'on vous parle qui sont spectaculaires parce que les gens se rabattent dessus, parce qu'il y a enfin quelque chose de démontrable, enfin quelque chose qui marche. Et pas un truc qui fait blablabla. Ok, toute la différence est là. Ok, on peut démontrer. Donc ça, c'est la gamme Edgelock. Alors ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, moi, je vous invite à rester bien concentré. Ok. Et vous allez voir une chose, c'est que ça produit, c'est des produits ce qu'on appelle visuels, émotionnels, consommables ou reconsommables et exclusifs. Alors visuel, c'est avant tout, par exemple, on va parler tout à l'heure du galvanic, même déjà maintenant. Alors, est-ce que j'ai le galvanic dans les mains? Non, on l'a pas ici. Bon bref, vous l'avez, voilà, tu l'as, super. Je vais quand même le montrer, t'as des gels avec là? Ah, pas de gel avec, bref. Tu fais ça. Live, super. Bon, là, t'as pas l'autre tête. Hein. Pas chiant. Hop. Super, merci. Désolé pour le. Hop. Donc, ça, c'est par exemple une machine. Il existe en blanc et en noir, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est appelé souvent le iPhone de la beauté. Il se vend plus de 300 000 exemplaires par mois dans le monde. Ça fait un raz-de-marée. Donc, ce produit est basé sur un soin qu'on appelle galvanique. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est la ionisation plus ou moins. Qui, en fait, jusqu'à présent, un soin qui est utilisé chez certaines esthéticiennes ou spa. La machine peut coûter jusqu'à 20 000 euros la machine, les grosses machines. Et un soin qui donne plutôt des bons résultats, mais qui est un soin un peu de star, en genre entre 80 et 150 euros le soin. Là, on parle d'une machine qui a été réduite à 350 euros, donc la moitié d'un iPhone, donc c'est pas très cher, qui est garantie 2 ans, et qui en plus marche beaucoup mieux parce que vous avez des gels Edgelock, okay, vous avez ces gels-là, qui sont les gels Edgelock qui s'utilisent. On va montrer tout à l'heure des photos. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait une moitié de visage, ok. Alors, elle se fait la moitié de visage, la personne, et on lui met un miroir devant, et la fait. Et en général, c'est... Mais c'est quoi ce truc? Alors, on a des effets Picasso, vous voyez. On a des effets... c'est incroyable, on a tous les effets. Après, il y a aussi les gens, on ne voit pas grand-chose au départ, mais on peut quand même déjà avoir le grain de peau. Les gens qui s'y connaissent sur les esthétiques peuvent se dire, le grain de peau est meilleur, le teint est meilleur, on voit les ridules qui sont meilleures. On voit instantanément un résultat et qu'il n'y a pas juste un effet 8 heures. C'est vraiment un soin anti-âge en profondeur. C'est ça la force du galvanique, c'est que ça va pousser les gels en profondeur, contrairement à les dents en surface. C'est vraiment un des exemples des choses. Mais tout va marcher parce qu'il y a les gels derrière Edgelock. Avec la machine toute seule, ça ne vaut rien. Mais tout ça, c'est bien sûr breveté, hein, 3 brevets. Donc c'est visuel, on peut le voir. Quand vous avez une femme qui met un bras et qui peut faire
Il y a les photos tout à l'heure, l'album, hein, qui peut, peut-être vous aurez des témoignages aussi, quand vous avez des soirs entiers, ce genre de choses, vous pouvez découvrir, qui met sur un bras pendant 15 jours, et puis d'un coup, ça commence à secouer d'un côté, de l'autre côté, ça ne bouge plus du tout. Ça, c'est spectaculaire. Et les gens veulent la même chose. Écoute, qu'est-ce que tu veux, je veux la même chose. C'est-à-dire que c'est des produits extrêmement impuissants. N'hésitez pas à montrer les photos, et surtout vous faire vous-même une démo. Donc, réclamez votre démo. Et c'est utilisé, bien sûr, avec des... Merci. Donc, c'est extrêmement émotionnel quand un homme ou une femme sort de là avec une moitié de visage, elles en parlent à tout le monde le soir même. Hein. J'ai testé un truc, regarde, mais ça, c'est fou. Tu l'as acheté où, mais c'est incroyable. Oh, c'est parti, vous voyez. C'est l'émotion qui va amener que les gens vont en parler comme des fous. Et ensuite, vous avez l'effet consommable. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se faire ensuite? Ben, ils vont consommer ces gels. Ça, c'est les gels par exemple, avec le corps. Vous voyez, je peux le montrer rapidement. Celui-là, voilà. Celui-là, ouais, avec les gels. Voilà. Et voilà, vous savez, ça, c'est la partie corps, par exemple, qui fait avec ces gels-là. Donc ça, vous pouvez utiliser la cellulite, le raffermissement, etc. Et vous avez aussi, bien sûr, les gels pour le visage. Et après, vous avez toute la gamme aussi que les gens vont acheter tous les mois ou tous les deux mois avec des compléments nutritionnels. Après, ça, c'est fantastique. Hein. Les gens qui manquent de vitalité. Moi, j'en vois une, il y a vraiment besoin de vitalité là-bas. Ça va aller. C'est... Ah ouais, je t'ai vu, c'est clair. Donc toi, on va te prendre R-Square, double dose, c'est ça. Day and night, c'est vraiment fantastique. Tous les gens, donc c'est basé encore sur la science des gènes pour réactiver, c'est basé de trois plantes, et ça va vraiment réactiver la vitalité. La plupart des gens manquent d'une vitalité incroyable, ils ont les coups de barre tout le temps, c'est vraiment d'être pas présent avec leur famille, d'être pas vraiment présent, d'être toujours fatigué, d'être toujours ceci, d'être pas présent, et de pas être efficace au travail. Là, vous pouvez vraiment performer mieux. C'est un produit impressionnant. On a fait 7h30 de route hier, on est arrivé, on a enchaîné avec une réunion. C'était incroyable, même moi je me suis dit, c'est incroyable, je ne bronche pas, j'ai pas de coups bas, c'est hallucinant. On a dormi quoi, 6 heures. Mais c'est vraiment des produits qui vont vous surprendre. Et ce qui fait que, chez nous, c'est un peu l'effet, j'ai appelé ça l'effet Apple. Vous avez peut-être remarqué que moi j'étais passé de PC à Apple, plus jamais je reviens à un PC. Enfin, c'est, je vois pour vous, et pour les gens qui ont testé, après ça dépend des gens, mais en tout cas moi je ne toucherai plus jamais, peut-être l'iPhone et pourquoi pas, un ordinateur, moi je ne touche plus un autre. Et souvent, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a commencé à tout acheter chez Apple. Ouais, c'était l'Apple TV, l'iPhone, l'iPad. On est devenu vraiment amoureux de la marque. Mais c'est la même chose, les gens étaient là timidement, mais une fois qu'ils ont mis le pas, ils disent oh, mais c'est génial, t'as vu les effets. Vous avez une personne qui commence à avoir des résultats, elle ne touche plus jamais un autre. Parce qu'enfin trouver une marque qui marche. Et elle a acheté tout chez Nuskin. Ça vient vraiment des fans de leur entreprise et commence tout à acheter. Donc, c'est un produit extrêmement émotionnel, consommable. C'est-à-dire que, actuellement, et ça c'est la grande différence, c'est que la plupart des gens n'ont pas de produit consommable. C'est-à-dire que, je prends un exemple, il y a des coiffeurs dans la salle, je prends l'exemple juste d'un coiffeur. Hein. Ouais, ouais. Donc, quand on coupe des cheveux, qu'est-ce qui se passe? Donc on gagne sa vie, on coupe des cheveux, on est payé. Okay. Mais si on part en vacances pendant 2 mois, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Donc il faut recommencer à couper les cheveux, tant que vous coupez les cheveux, et ça je ne prends pas autant pour un salarié, pour un chef d'entreprise traditionnel, vous devez travailler encore et 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 encore. Comme ça pendant 45 ans, pour la fin, j'ai pas de retraite, qu'est-ce que je vais faire? Je continue à travailler à 70 ans. Vous voyez, ça c'est vraiment pas le bon plan. Donc là vous allez pouvoir faire une fois la recommandation, par exemple du galvanique, c'est pas audible galvanique, et tout ce qu'ils vont acheter à vie, encore mois après mois après mois, vous allez être commissionné. Il y a des gens dans cette salle qui ont déjà une rente financière, et pas une ou deux personnes, on parle de plusieurs personnes, qui ont déjà enclenché une rente financière, c'est-à-dire qu'ils travaillent ou pas, boum, ça tombe tous les mois, parce que les produits sont livrés automatiquement. Alors notez ce chiffre important, 75% de revenus sont automatiques. Donc on a un système qui s'appelle ADR, c'est-à-dire livraison automatique récompensée, qui permet de faire livrer automatiquement le client tous les mois, directement, il peut le changer, il peut même l'arrêter quand il veut, c'est pas du tout un abonnement, mais c'est quoi? Il a besoin de ses gènes tous les mois, donc il va les prendre automatiquement, tous les mois, il peut même changer la date, il peut changer la livraison, le contenu, il va même recevoir des réductions, des frais de port réduits, et même des produits offerts. Ce qui fait qu'on a un système de loyauté qui est redoutable, il fait que les clients et les distributeurs chez nous restent, parce qu'ils ont des produits offerts, etc. Donc ce produit de consommation, ça va, vous allez adorer, c'est le rêve de l'entrepreneur. Vous connaissez Nespresso? Gillette? Pourquoi ils se portent bien en période de crise? Parce qu'une fois qu'ils ont vendu une machine espresso, ils savent que tous les mois, ils vont revenir, ils vont vendre des capsules. Hein. Gillette, je ne sais pas trop encore, mais ici, ça fait 15 ans que je suis Gillette, tous les mois, je mets 25 euros pour m'acheter des lames de rasoir. Et ça fait 4 ans que j'ai le même rasoir. Ça, c'est du business intelligent. Oui, non? Encore la personne qui me vend une alarme, il doit retrouver qu'un cadeau qui va vendre une alarme, hein, parce qu'il va, sinon, il ne va rien vendre du tout. Oui? Okay, même chose, couper les cheveux, on recommande. Donc là, vous avez un business consommable. Nous, on a des gens, ça fait quoi, 10-11 ans, on a encore des revenus là-dessus. Et exclusif, et ça, c'est probablement le mot le plus important, ce n'est pas copiable. Ça vous défend toute concurrence. Donc là, vous avez un cocktail Molotov extrêmement puissant pour vraiment construire un business. Bon, là, c'est quelques photos. Typiquement, une personne, ça fait quoi, 4 fois par semaine, 3 fois par, 4 fois, 4 semaines pendant 4, 3 fois par semaine. Je vous rassure, on peut faire ça en 5 minutes aussi. C'est quoi? C'est 3 traitements. Ok. Et en général, c'est en un traitement. On peut voir vraiment des miracles. On a des photos, vidéos, ça, je ne sais pas pourquoi vous l'envoyer. Ça, c'est pour le galvanique. Ok. Peut-être qu'il n'y a plus de piles. Ok, bon, on va faire comme ça, c'est pas grave.
Ah, c'est Mac qui déconne, vous voyez, c'est la première fois. On va acheter un PC alors. Bon. Ah, en fait, c'est bon, il se réveille là. C'est pas possible, t'as mis Windows là-dessus, c'est pas possible. Ah, il se réveille un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des témoignages ou non? Non. Ah, très bien, ça c'est notre photo par exemple. Personne au bout. Alors, des photos comme ça, on a des milliers, on a des photos, des vidéos. Il y avait une vidéo de Shiva qui est faite, c'est hallucinant. Quoi. C'est vraiment des produits incroyablement démontrables. On va pas montrer les photos toute la journée, parce qu'on peut dire oui, c'est Photoshop. Ouais, mais quand vous voyez Photoshop d'une femme qui fait ça, là, il n'y a plus de Photoshop. Hein. Là, c'est Photoshop live. Okay, mais quand vous testez sur vous, vous voyez les rides 10 minutes, 50%. Vous voyez une pommette qui est meilleure, grain de pomme meilleur, c'est plus du Photoshop, c'est du réel. Hein. Okay, ça, c'est chez Nuskin. Donc, si ça marche encore. Parfait. Au prochain marché, vous en avez parlé, c'est le marché de l'anti-âge. Vous connaissez les gens qui voudraient perdre 3, 4, 5, 10 kilos? Et qui voudraient pas juste perdre des graisses, mais qui pourraient avoir plutôt un beau corps. En fait, ils s'en foutent des kilos. C'est ça le problème, c'est on va vous en parler plus tard, c'est que les gens s'en foutent des kilos, pas vrai? Vous fichez. Ce qui est important, c'est d'avoir le corps que vous voulez. C'est toute la clé, c'est de pouvoir augmenter la tout ce qui est muscle pour pouvoir justement griller les graisses. Donc on va faire plutôt monter les muscles et diminuer les graisses et travailler sur le stress. Donc c'est une véritable révolution. Donc si vous positionnez dès maintenant, vous aurez un boom dans votre business en octobre, vous n'avez même pas compris encore. C'est assez impressionnant. Donc on revient. L'unique moyen pour vous, okay, pour atteindre la prospérité, c'est que vous êtes tranquille. Il y a une rente financière qui tombe tous les mois. Okay. Il vous faut créer un patrimoine à long terme pour vous et vos héritiers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne tous les mois. Alors la question pour vous, c'est comment vous vous sentirez si tous les mois, vous levez matin, vous arrivez le 1er juillet et vous savez que vous avez déjà, par exemple, n'importe quoi, vous avez déjà gagné pendant 4 000 euros, n'importe quoi, au mois de juin, vous avez déjà 3 000 euros assurés en rentrant au 1er juillet, vous n'avez encore rien fait. Comment vous sentirez-vous? Sympa, non? La vie sera un peu différente, non? Vous dites, ah ben aujourd'hui, tiens, je pourrais peut-être me remettre au sport. Comme ça, dire, mec, tiens, je pourrais peut-être reprendre la peinture, ça fait des années que je le veux. Vous voyez, se repousser ses rêves, repousser ses rêves, repousser ses rêves, jusqu'à ce que, en fait, on est sur son lit de mort, on ne les a jamais fait. 95% des gens vivent et finissent avec des regrets. C'est une réalité, c'est une étude qui a été démontrée. Moi, ce qui m'a motivé à l'âge de 20 ans, c'est que je me suis dit que je n'ai pas envie de vivre avec des regrets, ou plutôt de finir avec des regrets. J'ai envie de vivre ma vie à 100%. Et pour ça, il faut du temps, de l'argent et une bonne santé. Si je n'ai pas ces trois-là, je ne suis pas libre, je ne veux pas réellement vivre. Parce que je vois que je vais me retourner. Alors, j'avais un peu de temps, mais je ne vais pas avoir d'argent. Soit j'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas de temps. C'est ça? Vous connaissez les gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent beaucoup, mais ils n'ont jamais le temps de faire les choses, ils n'ont jamais le temps pour les enfants, ils n'ont jamais le temps. Ah, il faut que je fasse ça, mais je voudrais le faire, mais je voudrais le faire. Et finalement, pouf, ça arrête un arrêt cardiaque à 50 ans, ou qui ont complètement claqué, ils sont finis. Mais c'est réellement ça, c'est malheureusement le drame de la société actuelle, parce qu'il faut travailler de plus en plus pour gagner de moins en moins, juste pour survivre. Est-ce qu'ils ont pas, ils sont dans le mauvais véhicule? Il faut juste apprendre à démultiplier votre business et créer un réseau et créer une rente. Donc, est-ce que vous avez l'impression parfois de faire du surplace? Ça vous arrive? Quoi que vous fassiez, vous êtes toujours au même endroit. Ouais. Normalement, ça tourne, c'est encore plus fun, mais ça fait comme ça. Bref, donc le seul moyen, c'est de partager cette information au sein de votre réseau de connaissances ou les gens que vous allez connaître par la suite pour créer un énorme business. Et la vraie question pour vous, c'est qui vous connaissez? Et qui vous connaissez pas encore? Voyez? Donc, par exemple, le réseau de Strasbourg, moi j'ai démarré ce business il y a 11 ans, là on parle d'un réseau de plus de 2500 personnes qui maintenant a grandi entre Lyon, qui a grandi à Lille, qui a grandi à Paris, qui a grandi en Allemagne, en Suisse, etc. C'est ce qui s'est passé en 11 ans, juste d'une seule lignée de Strasbourg. Entre temps, il y a des lignes à Paris, des Nice, et en Italie, dans Suède, etc. Donc c'est assez spectaculaire la force d'un réseau. Donc la force d'un réseau, je trouve, pour un exemple, on va dire que vous avez 5 personnes que vous trouvez, vous pensez pouvoir trouver 5 personnes qui voudraient augmenter leur revenu en faisant quelque chose de fun et de positif? Se trouver, peut-être 10 ou 15 ou 20, n'est-ce pas? Donc 5 personnes. On va dire que je parle de théorie ici. 5 personnes qui en trouvent autres 5 personnes, ça fait combien? 25. Vous imaginez comme ça se démultiplie. Oui, c'est pas 5. Ouais. On voit que les gens n'ont pas appris l'effet de levier à l'école, vous voyez. Vous avez des mauvais professeurs. Hein. Donc 5 à 25. Si c'est 25, on fait 5 de plus. Ça fait 125. De 5, vous êtes passé à 125. Donc ça, je ne dis pas que ça se fait par magie, c'est du travail, ce business. J'espère bien que vous comprenez ce que je dis. Juste que vous comprenez que quand on peut atteindre des réseaux de 2500 personnes, c'est possible. Donc là, je reprends juste l'exemple de 125 personnes. Au total, vous êtes 125 plus 25 plus 5, ça fait 155. Avec vous, 156. Si chacun fait 10 clients, vous avez utilisé 1560 clients. Ça, c'est la force du réseau. Quand vous touchez 5% dessus, par exemple, si chaque client achète pour 100 euros par mois, vous avez un chiffre d'affaires de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous touchez 5% dessus, vous touchez combien? 7500 euros par mois. Vous comprenez la force du réseau?
Je lui ai dit, le professeur, il n'apprend pas ça à l'école. Il n'enseigne pas ça à l'école. Ok, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va tomber du ciel, mais ça va arriver un jour tant que vous continuez à travailler et vous enseignez les choses. Ok ? La réalité, c'est que ce n'est pas 5 qui vont faire 5 qui vont faire, c'est 5 sur les 5, il y en a un ou deux qui en font 10, qui en font 10, etc. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Okay, chacun avance à son rythme. Donc chez nous, l'avantage est très, très important à comprendre, c'est que vous avez différents moyens. Et chacun peut se trouver sa place. Il y a des gens, ils ne se voient pas pour l'instant devenir un leader, qu'ils aient grand et gagner beaucoup d'argent. Ils se voient, ils disent, moi je vois juste quand même, on sait gagner 500 euros en plus par mois. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens, c'est ça qui serait intéressé, gagner 500, 700 euros en plus par mois? Ouais, allez-y. Ouais, juste en plus. Pas mal. Ouais, les gens qui font comme ça. Hein, c'est vrai, pas de problème. Donc déjà, 500 euros en plus par mois, ça peut changer la vie. Ça fait 6 000 euros annuels. Qu'est-ce que vous ferez avec 6 000 euros en plus annuels? Pas mal, non? Peut-être vous acheter une BMW, ou les femmes pourraient s'acheter des plus jolis sacs, ou des jolis bons. Vous pouvez offrir un cadeau, vous pouvez partir en voyage. Enfin, plein de choses, pas vrai? Ok? Donc ça, c'est, genre, vous pouvez tout à fait... Alors ça, c'est très simple. Je vous donne un exemple comment gagner 500 euros, très simplement. Vous avez vu le galvanique tout à l'heure? Ok, c'est-à-dire qu'on va être très pessimiste. En fait, 1 sur 3 l'achète en moyenne. On va être très pessimiste. Et en sachant qu'il y a d'autres produits derrière, il y a 250 produits derrière, ça je parle galvanique, et même c'est même pas, c'est il y a certainement, ils veulent acheter autre chose. Donc on va faire une moitié de visage. Vous allez présenter ça à 5 personnes par semaine. Une démo avec 5 personnes. Aussi bête que ça, je prends un exemple concret et simple. Et on va dire qu'on est très pessimiste, un seul achète. Ils achètent le minimum, c'est même pas d'autres produits, ils achètent juste le galvanique avec deux boîtes de gel. Ça se vend à 440 euros avec les deux boîtes de gel, ça vous fait 130 euros dans votre poche par semaine. Vous répétez ça 4 semaines, vous avez 520 euros par mois de plus. Un par semaine. Si vous voulez faire 1000 euros, vous en faites deux par semaine. Aussi bête que ça. Et après, il y a les gels qui commencent à s'enclencher. Vous comprenez? Les gels. Et donc tous les mois, il y a un moment, vous allez avoir, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, vous allez commencer à avoir 500 euros en rente. Si les gens achètent les mois, et entre temps, ils vous disent, maintenant je vais acheter le body galvanique. On a des systèmes pour que le client vous recommande d'autres clients, qui vous recommande d'autres clients. On a un système absolument redoutable, qui a été mis au passage à Strasbourg il y a quelques mois. Cartonne. Il y a des gens qui se disent, j'en ai marre, moi je veux remplacer mon salaire. Je ne cherche pas à gagner devenir millionnaire, je cherche à juste, par exemple, gagner 2 000 euros à moi, je voudrais juste remplacer ça, seulement avoir du temps pour ma famille, passer du temps avec mes enfants, revoyager, faire du sport. J'en ai marre de stresser tout le temps à courir après l'argent. Ok, il y a des gens comme ça, peut-être, qui s'intéressent par ça. Ouais. Donc là, vous allez chercher à remplacer votre salaire ou à doubler votre salaire. Il y a des gens qui sont intéressés de doubler ce que vous gagnez actuellement en mettant quelques heures par semaine. Ouais, super. Donc là, vous allez chercher ce qu'on appelle le chef de groupe. Donc vous allez chercher chef de groupe, voire or, lapis, rubis, c'est ce qu'on va expliquer. Donc là, vous allez chercher déjà à développer un réseau de distributeurs. Vous allez non seulement faire des clients, vous allez commencer à vous approcher, à pouvoir amener des taux de distributeurs qui vont augmenter un revenu. Donc en plus d'appeler les gens pour leur repasser des rides, on dit ça comme ça, ou plutôt diminuer les ailes pour avoir des ailes d'aigle et pas de poulet, vous voyez ce que je veux dire. Et qu'est-ce que vous avez? Donc vous pouvez aussi appeler en disant, écoute, ça te dirait de gagner 500 euros en plus par mois en faisant un truc de fun? Il y a plein de gens intéressés pour gagner 500 euros en plus par mois, croyez-moi. Avec une crise pareille, il y en a tout plein. Okay. Vous les amenez, vous leur mettez à moitié visage, tu connais les gens intéressés comme ça? Ouais, ben voilà, attends, pour un par semaine, tu gagnes 500 euros plus par mois. Moi, je suis des marrons. C'est aussi bête que ça, surtout ils n'ont aucun risque. Au pire, ils ont les produits moins chers. Et après, les gens qui le voient comme, voilà, je veux une liberté financière. Genre, je veux avoir 5 000, 10 000, 20 000 euros en plus par mois en rente. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de travailler le reste de ma vie. Ça, c'est un autre, bien sûr, vous avez bien compris, c'est une autre mécanique de travail. Donc là, c'est des formations, des applications, on s'implique beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses derrière. Okay? Donc chacun a son plan. Non, on ne va jamais vous pousser à aller l'un ou l'autre. C'est pour ça que quand vous démarrez, on vous respecte par rapport à ça, on va vous dire quels sont vos objectifs sincèrement. Par contre, c'est important que vous respectez votre sponsor en retour et que ce que vous avez dit, vous le suivez. Si quelqu'un me dit je veux devenir un leader et gagner 10 000 euros par mois en rente d'ici 3 ans, c'est possible. Mais par contre, ça ne va pas être possible s'il fait une présentation par mois et qu'il vient quand il veut aux formations. Ça ne va pas marcher, je peux vous garantir. Là, ce serait lui mentir. Donc, allez, tout est ouvert, oui. Là, comme ça, non, tu peux oublier. Donc, on va vraiment vous dire ce que vous devez faire. On a un système en place, c'est le système 7, peut-être que vous l'avez vu ici. C'est le système 7. On a une véritable méthodologie de la réussite. On sait ce qui marche. Ça fait 11 ans que moi, je fais ce métier. Des gens comme Shiva, ça fait 8 ans. D'autres personnes dans la salle qui sont des super leaders, qui sont là 5, 6, 7 ans. On sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Méthodiquement, même statistiquement, on peut même vous dire en moyenne qu'il faut une présentation pour atteindre par exemple, diamant bleu, gagner plus de 10 000 euros par mois. On peut vous le dire. La question, c'est, on va aussi vous dire ce qu'il faut changer, améliorer, etc. Okay? Donc chacun a son plan. Il y a des gens aussi qui disent, c'est quoi, je démarre là, et puis par la suite, je vais là. Ou je démarre là, et puis voilà, je vais là. Ou il y a des gens qui démarrent tout de suite là. L'idée, vous voyez, c'est que c'est vous qui va aller choisir votre plan. Et tout le monde peut démarrer temps partiel. Ça ne veut pas dire que vous êtes à temps plein. Hein. C'est juste qu'il y a une autre intention, un autre engagement, il y a une autre décision, un autre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non? Oui, non? Donc même si vous gagnez 500 euros, ben voilà, c'est parti, les gens qui ont levé 500 euros, bienvenue.
Ok, les gens qui veulent gagner, doubler ou remplacer un salaire, bienvenue. Les gens qui veulent créer une rente financière, c'est possible aussi, bienvenue à vous. Ça recommence. Ah, c'est bon, ça revient. Donc, alors, là, on a un plan. Je ne vais pas rentrer dans l'état, mais en gros, plus on aide de gens à devenir chef de groupe, chez nous ce qu'on appelle chef de groupe, à aider à gagner de l'argent et réussir, plus vous pouvez déverrouiller vos commissions et gagner de plus en plus d'argent. Alors, ce que j'ai demandé, c'est que je demandais à différentes personnes qui sont arrivées déjà à une statue de l'or. Vous allez voir différents statuts ici. Plus vous allez aider de gens de premier niveau à devenir chef de groupe, par exemple, dans l'état, plus vous pouvez toucher en profondeur d'un niveau. Ça, c'est les revenus officiels moyens annuels, OK, enregistrés par l'entreprise. Donc, on va demander à. Je vois qu'on a deux lapis ici, voilà, qui sont juste là. Donc, on va demander à deux gens qui vont juste témoigner. Donc, je vous prie de les accueillir. C'est Catherine et Luc Sifferman. Bonsoir. Donc, je m'appelle Luc Sifferman. Je suis dans l'activité du ski maintenant depuis 3 ans. J'ai découvert grâce à Mireille. Je te remercie encore. Je suis de Strasbourg. J'ai maintenant 53 ans. De profession, je suis médecin. Alors, quand j'ai démarré, c'est vrai que j'étais très sceptique parce que les produits New Skin, je ne connaissais pas du tout. Je travaillais aussi dans l'esthétique et c'est vrai que j'avais des appareils très chers, à 10, 20, 000, 30 000 euros. Et quand j'ai découvert ce petit appareil qui avait de meilleurs résultats que mes appareils que j'avais au cabinet, c'est vrai que j'étais un peu. Je suis tombé des nues. Donc, comme je fais partie des sceptiques, ben, j'ai approfondi la chose. Je suis allé sur Internet, je suis allé voir plein de documentation, etc. Et puis, je me suis lancé dans cette aventure. Ben, j'ai emmené ma femme, Catherine. Et puis nous avons notre fils aussi qui est là, qui développe aussi l'activité New Skin. Et c'est super sympa. En tout cas, moi j'ai découvert cette activité, je l'ai fait bah, pour développer tout simplement ma retraite. Parce que je me suis aperçu à 50 ans que j'avais touché 30% de mes revenus. Donc je fais partie de la norme apparemment. Et je me suis dit, ça, jamais. Et je me suis dit, c'est un bon véhicule, je peux démarrer comme ça, c'est vraiment génial. Et donc, je vais laisser un peu la parole à ma femme, parce que sinon, elle ne peut rien dire. C'est vrai, quand il commence, il n'arrête plus. Et c'est lui qui m'a ramené ça après son expertise en disant « Il faut qu'on fasse ça, c'est génial ». Donc, je ne m'étais pas trop posé de questions sur l'anti-âge il y a 3 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et depuis 3 ans que je suis consommatrice et que j'ai à peu près essayé tout ce qui pouvait me correspondre, je suis convaincue, ça n'y a pas de doute. Je suis chef d'entreprise, donc de Strasbourg aussi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas arrêté nos professions parce qu'on aime ce qu'on fait dans notre travail, même si on piétine un peu, mais c'est des métiers intéressants. Par contre, l'activité New Skin, c'est aussi notre bol d'air parce que c'est très sympa de rencontrer des gens, de faire découvrir cette opportunité. Comme dit, quand on a un bon restaurant, un bon cinéma, on en parle avec conviction. Moi, de parler de ces produits, de faire des soins à des connaissances, des amis, pour leur faire découvrir le meilleur produit du monde dans le domaine de l'anti-âge et du soin de la peau, c'est juste génial, il n'y a pas de souci. Je veux dire, je ne prends pas de risques avec mes contacts, avec les personnes, parce que je suis dans quelque chose de très fiable. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Merci. Il y a une autre personne qui vient de passer Ruby, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc je prie d'accueillir une personne qui est en train de monter en puissance, juste qu'elle répète deux fois ça et bien mon bleu. Donc en gros, elle a une belle, belle organisation. Je vous prie d'accueillir Mireille Schillinger de Strasbourg. Bonsoir à tous. Oui, donc Mireille Schillinger, moi c'est Shiva qui m'a présenté cette activité il y a 6 ans. Et c'est vrai que, voilà, je ne dirai pas mon âge, mais je suis un peu plus âgée, je suis grand-mère. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, nous les femmes, quand les œstrogènes nous abandonnent, hein, ceux qui ne savent pas les hormones, ben, on est un peu mal au point. Donc la peau qui devient plus fine, les rides, les cheveux, les ongles. Et c'est vrai que Shiva, il est vraiment arrivé au bon moment. Je travaillais pour une autre marque de cosmétiques bio. Mais très vite, j'ai compris que c'était... Voilà, enfin, j'ai vu les résultats. Ensuite, c'est vrai que je me suis intéressée à la société et c'est vrai que j'ai rencontré Maximilien, donc je connaissais Shiva et Mehmet. Et quand j'ai vu ces 3 hommes jeunes avec leur détermination qui parlaient du business et moi qui voulais absolument ne pas travailler pour un patron, déjà, j'étais déjà dans un âge où trouver un boulot à mon âge, bof. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est vrai que je me suis pris de passion pour ce travail parce que je rencontre plein de gens formidables et je suis aussi dans,
dans ce besoin d'apporter une solution non seulement vis-à-vis du produit, mais aussi au niveau d'un changement de vie. Et je pense que dans la vie, une des plus grandes choses qu'on peut apporter à l'autre, c'est de pouvoir vivre ses rêves, et l'opportunité Nu Skin le permet. Donc on a beaucoup de mal, moi j'ai eu beaucoup de mal à faire mon tableau de rêve, j'ai eu beaucoup de mal à rêver, parce que pendant toute mon enfance, bon, je suis issue d'un milieu plutôt humble, j'ai toujours entendu dire « mais arrête de rêver quoi, arrête de rêver ». Donc je me suis toujours, voilà, je ne me suis pas permise de rêver, donc j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à rêver, quand j'ai commencé à entendre, à aller dans des grandes conventions où j'ai vu tous ces gens qui faisaient leur tableau de rêve et qui parlaient de tout ce qu'ils ont réalisé, je me suis dit oui, mais moi aussi, j'ai droit à ma place. Et c'est vraiment ça que j'ai en fait envie de partager avec toutes les personnes que je rencontre. Donc je remercie toutes ces personnes déjà qui m'ont fait confiance. C'est vrai que je suis allée dans la construction. C'est vrai que j'ai mis un certain temps pour atteindre ce titre de rubis. C'est vrai que j'ai fait ce beau voyage avec Aude, ma fille qui m'a rejoint dans l'activité. Je suis vraiment très heureuse. Mais mon plus grand bonheur aujourd'hui, c'est des nouvelles personnes aussi qui me rejoignent. Et partager cette passion, parce que je crois que quand on y met la passion, quand on le fait avec son cœur, voilà, il suffit simplement de rencontrer des gens, de vouloir le bonheur, le bien pour eux, et les choses se font tout seul. Pour moi, l'aventure Nu Skin et la société Nu Skin, c'est vraiment une des plus belles choses qui me soit arrivée. Est-ce qu'on peut juste voir les rubis dans la salle pour les gens qui... S'il y a d'autres rubis dans la salle ? Oui, non ? Non ? Bon ? Bon ? Ok ? Hein ? Ils sont tous en recrutement, partout. Alors, ce qu'on va demander à une autre personne ici, au passage, un rubis, ça gagne en moyenne 2500 euros par mois. Pour la personne qui a parlé tout à l'heure, gagne heureusement plus. Et donc, ça vous permet de gagner un voyage tout frais payé aux États-Unis pour deux personnes. Et 50% de ces rubis, après le voyage, partent diamant bleu dans les 18 mois, plus que vous sachiez. Donc, moi, j'ai bien appelé ça la porte de la liberté financière. Il y a une mécanique de déclic. Il n'y a plus de doute, ça part. Quoi. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est des quatre personnes à devenir chef de groupe. Et bien sûr de bien construire sa organisation. Donc, ce qu'on va vous apprendre, ce n'est pas juste construire pour le show. On va vous apprendre vraiment à gagner de l'argent, de vraiment que ce soit stable pour vous, que ce soit une rente. Et c'est bien sûr, parce que c'est le but de tout, c'est que quand vous réussissez, tout votre, ce qu'on appelle upline réussit. Donc là on va avoir une autre personne qui est un véritable leader, un très grand leader qui est très difficile à suivre parce que moi j'étais derrière, si je pouvais faire la moitié de ce qu'elle faisait en termes de recrutement, ce serait merveilleux. Elle a une énergie incroyable, un cœur fantastique. Elle est diamant, une relation qui est assez impressionnante, qui est entre Strasbourg, des régions comme Belfort, des gens comme Lyon et il me semble aussi dans le sud de la France. Je voulais accueillir une magnifique personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Laurence Brem. S'il vous plaît, un peu plus fort pour Laurence Brem. Je suis ravie d'être là ce soir et d'écouter Maximilien qui m'a réellement beaucoup inspirée. Donc, je m'appelle Laurence Brem, j'ai 42 ans. J'ai découvert l'activité Nu Skin il y a exactement 5 ans. Et croyez-moi, j'étais loin d'imaginer que ça allait tellement changer ma vie. J'ai même pas les mots, quoi. Donc, par contre, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que moi, dans ma vie, j'ai eu deux flashs d'intelligence. J'ai compris la force de ce business. J'ai compris la force de cet effet de levier. Donc avant de faire Nu Skin, je travaillais à la Socomec dans le milieu de la métallurgie. J'étais là-bas comme employée depuis plus de 12 ans. Et j'avais compris que je n'avais pas envie de finir ma vie en tant qu'employée, même si j'avais un très très bon poste, très bien payé, mais j'avais fait le tour. Donc c'est vrai que je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. C'est vraiment tombé dans ma vie au bon moment, et je remercie Mireille aussi de m'avoir présenté cette activité. Donc ce premier flash, j'ai compris que je pouvais démarrer cette activité à côté de mon travail, donc je faisais mes premiers rendez-vous entre midi et deux, au lieu de manger, voilà, premier sacrifice, et le soir, au lieu de rentrer à 5h, je rentrais à 6h, tout simplement, et là où j'ai compris, c'est que il suffisait, même si j'avais que 2 heures dans la semaine, je m'étais dit je veux être une chef d'entreprise, j'ai peut-être que 2 heures dans la semaine. Par contre, je connais 10 personnes qui peuvent, elles aussi, peut-être faire 2 heures dans la semaine. Et c'est comme ça que ça a démarré pour moi, en passant de 2 heures personnellement. J'en ai parlé à 10 personnes, d'un produit que j'aimais, d'une opportunité extraordinaire. Et comme ça, on est passé à 20 heures par semaine. Et tous ensemble, on en a parlé encore à 10 personnes. Et on était à ce moment-là, c'était magique, 200 heures par semaine.
quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est extraordinaire cette activité. Donc au bout de 3 mois, ben, j'ai remplacé mon salaire. Et croyez-moi, aujourd'hui, je me enlève les limites que j'ai eues par mon éducation, les formatages qu'on a eus à l'école, parce que jamais j'aurais pu imaginer accéder à ce style de vie. Quand j'étais employée, je m'étais rêvée de finir ma carrière à 3000 euros par mois, ce qui était extraordinaire pour moi, hein, qui était pas mal. Et aujourd'hui, ben, après 5 ans d'activité Nuskin, on peut dire que je suis à 5 numéros, et c'est plus des francs, hein, c'est des euros, donc là, ça change réellement la vie. Ensuite, mon deuxième flash d'intelligence, c'est quand j'ai quitté mon travail au bout de 3 mois de démarrage Nuskin, j'ai pas écouté les gens qui m'ont si bien conseillé de pas le faire, qui m'ont dit que c'était une secte, qui m'ont dit que c'était pyramidal, qui m'ont dit que c'était cher, qui m'ont dit que ça marcherait pas, qui m'ont conseillé et qui m'ont limite supplié de pas faire cette activité. Et vous savez quoi, 5 ans, ça passe très très vite. Moi, en 5 ans, j'ai créé ma liberté financière. C'est un business qu'on peut léguer à ses enfants. Aujourd'hui, mes petites filles, elles ont leur maman à temps complet pratiquement à la maison. Voilà la différence. Et les gens qui m'ont conseillé il y a 5 ans, aujourd'hui, ils en sont exactement dans la même situation financière, si ce n'est pas pire. Mais en tout cas, ils n'ont pas avancé d'un iota dans leur vie et surtout pas avancé d'un iota dans leurs rêves. Donc, je voudrais vous dire qu'on est au démarrage. C'est une aventure extraordinaire. On est tout petit encore en France. Je crois qu'il n'y a que 0,01% des Français qui connaissent Nuskin. Donc si on ne fait que fois 100, ça fait 1%. Donc imaginez le potentiel. Il y a tout à faire. Il n'y a aucun risque. Le plus gros risque que vous allez prendre, c'est d'avoir bonne mine. Hein? Peut-être ne plus avoir les fesses qui tombent. Et plus grand bonheur pour vous, bah, c'est de finir avec une mine d'or. Voilà. Je vous souhaite vraiment à tous une excellente soirée encore. Merci, c'est pas génial, Laurence. Et oui, on y croit, on y va, et c'est comme ça qu'on réussit. Alors, juste à savoir, je sais pas, c'était, le CEI n'était pas là, c'était on a un statut passé, c'est le VDI, vous pourrez poser la question par rapport à ça. On a un statut juridique reconnu avec cette activité qui vous permet de faire une déclaration légale, bien entendu, sur ça, pour recevoir un numéro de SIRET qui n'est pas de société. Donc, il y a un numéro de SIRET de début d'activité qui vous permet, et vous avez même alors, une entreprise à vous calculer vos charges de compagnie, vous payez en net directement. Donc, vous êtes comme un indépendant, un chef d'entreprise, vous n'avez pas besoin de vous gérer tous les problèmes du chef d'entreprise. Avec les TVA, les RSI, les machins, tout ça, vous n'avez pas pendant 3 années consécutives. Ça va être lancer votre business comme ça, puis ça va être votre numéro de sécu, d'envoyer votre RIB, boum, déclaration sur ça, vous récupérez. Et de la beauté dans tout ça, vous avez en plus 50% d'abattement à la fin de l'année. Parce que vous avez des frais. Donc c'est le meilleur statut qui existe réellement en France. Alors, vous pouvez montrer ça à n'importe quel expert comptable, il ne pourra pas trouver mieux. Donc, c'est un statut qui est spécialement fait pour ce métier, donc c'est encore un énorme avantage. Bon, ça, le gouvernement français est derrière nous par rapport à ça. Vous avez un but de créer 100 000 emplois à travers la vente directe, ce qui a été créé maintenant en 3 ans largement. Alors maintenant, nous arrivons encore plus haut. C'est une personne qui a aidé encore plus de monde, qui vous avez entendu parler tout à l'heure, c'est un Blue Diamond, un diamant bleu. Il a atteint ça maintenant en l'espace de 5-6 ans, non, 5 ans si je ne me trompe pas, quelqu'un qui a une qualité de vie extraordinaire, je l'ai vu démarrer, donc là, il y a, comme moi au passage, les gens ne croyaient pas du tout en moi, et la personne avait un rêve, il a dit je vais pouvoir le faire, il a tellement transformé sa vie, donc je le vois, il voyage tout le temps, et ben, c'est quelqu'un qui fait baver beaucoup de gens sur Facebook, parce qu'il se dit si je peux avoir cette qualité de vie, ben, là il a juste à répondre, ben, t'as qu'à te donner les moyens, et tu l'as avec le véhicule, avec le skin. Je vous prie d'accueillir un très grand leader, qui est un des plus grands leaders en Europe, Shiva Minyande. Quelle présentation ce soir, merci. Hein. En tout cas, c'était assez fantastique. Alors moi, j'ai démarré cette activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a maintenant 8 ans. Il y a 8 ans, j'avais 25 ans. Et à 25 ans, j'avais quand même des rêves, mais je ne savais pas comment les réaliser. J'avais toujours eu envie d'entreprendre, mais je ne savais pas dans quoi. Je n'avais pas d'idées et surtout pas d'argent. J'étais un peu limité à ce moment-là et j'ai même... un peu comme le parcours de Maximilien, j'ai arrêté mes études après un bac plus un, voilà aussi, hein, et j'ai tout de suite voulu chercher du travail. Et donc, j'ai cherché un cabinet d'expertise comptable dans lequel je pouvais travailler, alors j'ai fait des stages, etc. Et puis je me suis aperçu que finalement, j'attendais à chaque fois la fin de la semaine pour pouvoir sortir et faire la fête. Parce que j'en avais marre de me dire, je fais le matin 8h, 18h, finalement pas gagner grand-chose. Et je me suis dit, si seulement je pouvais trouver quelque chose qui pouvait changer quelque chose à ma vie, je prendrais
Avec grand plaisir. Et j'ai eu la chance, il y a 8 ans, de rencontrer Maximilien qui m'a fait sa présentation. Et c'est vrai que j'ai su qu'en une demi-seconde que c'était ce que je voulais faire. Et j'avais juste compris qu'il fallait juste que j'aide des gens à réussir. Alors, je ne connaissais pas grand monde, mais je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient m'écouter et qui auraient envie d'améliorer leur qualité de vie et gagner minimum 500 euros en plus par mois. Donc, j'ai juste fait quoi ? Parler à des gens. Alors que franchement, je n'avais pas beaucoup de réseau autour de moi. J'avais que des gens qui avaient 25 ans, qui s'en foutaient complètement de mettre des crèmes ou prendre soin d'eux, ou même de faire un business. Ils étaient encore dans leurs études. Et je me suis dit, je vais trouver des bonnes personnes. Et j'ai juste discuté avec les gens que vous avez vus, qui ont témoigné tout à l'heure, qui sont absolument extraordinaires. Je suis ravi de les avoir dans mon organisation. Et on s'entraide tous les jours, on s'aide à réussir. Et c'est ça que la magie du skin. Alors aujourd'hui, ma vie, elle est transformée. C'est vrai que j'ai atteint le statut de diamant bleu. Alors un diamant bleu gagne environ 32 000 euros par mois. Alors je ne suis pas encore là. Je suis à la moitié, on va dire, à peu près. Mais qui peut se dire aujourd'hui, je gagne plus de 10 000 euros par mois ? Pas vraiment. Et en plus, ça, c'est une rente que j'ai créée. Et franchement, j'ai rien de spécial. J'ai juste envie de réussir et j'avais une détermination et personne ne pouvait, comme disait tout à l'heure Laurence, les gens qui disaient qu'elle ne pouvait pas réussir, qu'on pouvait pas gagner d'argent là-dedans, que c'était une secte, etc. Ben, on leur a prouvé que c'était faux, complètement faux. Alors, je vous invite ce soir à discuter avec la personne qui vous a invité, de prendre tous les renseignements. En tout cas, nous aujourd'hui, avec Camille qui est ici, ma compagne, on a une vie assez extraordinaire. C'est vrai que gagner 10 000 euros par an, plus de 10 000 euros par mois en rente, c'est assez fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mois prochain, on va partir en vacances, on va partir en Islande. Ensuite, au mois d'août, on part à Biarritz. En octobre, on part aux États-Unis. À la fin d'année, on va en Laponie. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelles vacances on va faire ? C'est ça la question qu'on se pose. Et qui on va aider quand on va partir ? Vous voyez, c'est pas fun cette vie, franchement. Et franchement, il y a énormément de gens aujourd'hui qui recherchent la même chose, qui veulent l'obtenir, et vous pouvez juste leur donner un cadeau, leur donner une information. Merci. Merci. Encore une fois, pour les gens qui ont réussi, ça c'est juste que, une fois que vous êtes capable d'en faire un, vous êtes capable d'en faire 12. Hein. C'est tout ce que j'explique, c'est tout ce que j'ai compris. Moi j'en ai fait un, je suis capable d'en faire 12. Juste trouver des gens qui ont l'état d'esprit positif, honnête, sincère, et quand ils font quelque chose, ils le font jusqu'au bout. Et croyez-moi, avec cette crise-là, le changement économique, mais ça va aller très très vite. Les 10 000 personnes qui nous rejoignent par mois en Europe, bientôt ce sera 20 000. La question c'est combien vont rejoindre dans votre organisation. Okay, et il y a des gens ce soir qui malheureusement vont, bah, qui vont attendre. Et d'un coup, ils se rendent compte que tous leurs amis, d'ici 3 ans, ils ont tous été contactés. Et c'est un peu dommage que quand vous avez votre voisin qui reçoit les colis UPS de Nuskin tous les mois, et seulement c'est parrainé par quelqu'un d'autre, ça vous fout les nerfs, croyez-moi. Okay, ça s'est déjà arrivé chez nous. Hein. Un jour, j'ai entendu même quelqu'un qui était « Mais c'est toi ?» Et c'était son propre cousin qui avait été parrainé. Il n'avait pas appelé. « Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé ? J'ai un signe avec toi. Trop tard. Terminé. » On ne voulait pas que ça arrive, ce genre de choses. Alors, on va finir en beauté. Avec mon épouse, elle va vous passer un petit témoignage. Je vous prie d'accueillir. Je peux pas parler. Je vais l'accueillir. Anna Piccinini, s'il vous plaît. Bonsoir, Strasbourg. On est tellement heureux d'être ici avec vous ce soir. On était là à 7h50 à la voiture. On était vraiment très, très, très excités pour être ici avec vous. Merci, Marie. J'ai beaucoup de profs en français. Merci pour ça aussi. C'est super. Et par contre, un petit secret, il y a peut-être 50% de blondes en Suède, le reste c'est comme toi. Et ça fait à peu près 10 ans que je démarrais l'activité Nuskin. Et je peux dire que je n'ai pas du tout compris tout ce que Max va peut-être présenter après, ça, le business plan. Ouais. Je n'ai pas vraiment compris le business. Et le jour où j'ai compris, c'était un an et demi après, quand je revenais en Suède pour étudier infirmière, et j'avais une rente avec Nuskin. Chaque mois, j'avais ma rente à peu près 800 000 euros. Et après un an et demi de travail, pas plein temps, temps partiel, et j'ai compris, c'est pas mal Nuskin, ça marche. Ça marche vraiment bien. Et maintenant, je peux dire que ça fait 10 ans. Maintenant, je peux dire la vie a changé. J'ai redémarré il y a 5 ans, ensemble, il y a 4 ans. Et je peux dire que le matin, en Florence,
C'est fou, il faut faire un peu comme ça, hein. Parce que c'est vraiment... C'est pincé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, on adore rencontrer les gens comme vous, des personnes avec des envies, avec des buts, des objectifs, des rêves. On adore, donc on fait ça parce qu'on est enthousiaste. On n'a jamais été assez enthousiaste qu'en maintenant. Aussi enthousiaste qu'en maintenant. C'est fou, après Hawaï, tout Hawaï. 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 Bon. Tous les team élites, toutes les personnes qui a fait quelques années de travail dur, c'est pas simple, mais c'est facile. Et ils sont tous remis dans le business de ski maintenant. Même des personnes qui ont pris peut-être 7 ans des retraites, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc si on pense où on est maintenant et où on va aller, ça peut donner n'importe qui un peu de qui a compris. Un peu de vertige, donc vertige. Oh là là, merci pour m'aider, hein. Ça m'aide beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un ici qui pense que c'est trop bon pour être vrai. Merci pour être sincère, parce que nous on a un ami, et ça, bon, je ne peux pas dire le nom, mais il est danois, il habite en Suisse maintenant, il a 15 ans. Quelqu'un a dit, tu es ouvert pour découvrir une opportunité? Oui. Il a 3 enfants. Il est venu dans une soirée comme ça. Il était juste, où vous êtes, madame qui a enlevé la main. Et après, en anglais, ça serait facile. Et lui, il a aussi enlevé la main. Après, il a revenu à la maison. Il a appelé son père qui a dit, avant de tirer les choses à côté, jeter les choses à côté, à savoir qu'est-ce que c'est qui vous jette à côté. Je demande juste ça. C'est une boîte exceptionnelle, très transparente. Il faut demander toutes les questions que vous avez à la personne qui est invitée, parce que vous avez des qualités, c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. On est très fiers. Moi, je suis très fière. On a tous des différents objectifs. On a tous des différentes envies avec cette boîte. Mais on partage les mêmes valeurs. Et les valeurs, elles sont très, très simples. C'est d'être simple. C'est d'être honnête. C'est de partager des choses. C'est quand on dit les choses, on le fait, qui s'appelle intégrité. Nous, on veut plus de personnes comme ça. On a un marché exceptionnel. De vraiment développer, mais fort, les années qui viennent, avec des personnes, de bonnes personnes. C'est tout qu'on demande. Et, moi, je suis très fière aussi de ce qu'on a fait avec NTC et avec Forge for Good. Et, regardez ça ce soir, juste prends 15 minutes au Internet. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde avec ces deux activités qu'on a aussi. On peut être des entrepreneurs humanitaires aussi. Et ça, c'est fantastique. Merci. Et j'espère que toutes les personnes que je ne connais pas encore viennent me voir quand on prend peut-être un café ou de l'eau après. Et comme ça, on peut peut-être trouver des choses à discuter, des questions ou juste partager des choses. Merci. Merci. On va juste finir. Super, donc génial ces témoignages, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, on rappelle, vous avez chacun votre voix, ok? Chacun, et je vous rappelle encore une fois, c'est selon le travail, l'intensité et l'envie de chacun. C'est ce qui est génial de pouvoir vraiment créer la vie que vous désirez, à vous dire selon ce que je suis prêt à mettre dedans. Et certains vont mettre, y aller doucement et puis accélérer, d'autres qui vont tout d'un coup. La question, c'est à quel point vous voulez un changement dans votre vie? À quel point vous voulez catapulter dans ce business-là? À quel point vous voulez prendre des parts de marché sur l'anti-âge? Et à quel point vous avez compris cette opportunité? Alors, on va faire un test, si vous l'avez compris ce soir. Si vous dormez ce soir, vous n'avez rien compris. C'est aussi simple que ça. Tous les gens qui étaient moi, ils avaient compris. Ils disaient, mais c'est un truc de fou, ça, que je connais cette personne. Et rappelez-vous une chose, quand vous pensez à quelqu'un,
Vous ne pensez pas à quelqu'un, vous pensez à un réseau de personnes. Pas commencer à penser à une personne, vous pensez à des réseaux de personnes. Derrière une personne, il y a 200 personnes minimum. Vous comprenez? Quand il paraît une autre personne, il y a 200 autres personnes derrière. La question, c'est de trouver 5-10 clients là-dedans, trouver 5-10 distributeurs et qui dupliquent ça. Trouver 5 distributeurs pour 10 clients, etc. C'est ça la force de la démultiplication. Okay? Je sais qu'il faut penser différemment, mais faut que vous compreniez, mais vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, quoi? Je l'ai vraiment dans une bicyclette. C'est aussi bête que ça. Donc, jusqu'à présent, ça marche juste en Europe. Hein. On va finir avec ça, le timing était réellement exceptionnel. En 2000, là, il y avait 500 chefs. Donc 500 chefs, vous l'avez vu, c'était les gens qui gagnent en gros au moins 500 à 1000 euros par mois. Hein. C'était en 2000. Hein. Plus de 4000 chefs de groupe ont été enregistrés en Europe en 2012. Donc on fait fois, on a fait quoi? Fois 8. Okay. Nous, la France, on est passé de 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à 2,5 millions d'euros mensuels en 11 ans. On a fait fois 25 en 11 ans. Crise, pas chez nous. Okay. Donc ça va continuer à progresser, ça va continuer à progresser. C'est un truc de incroyable qui est en train de se passer. Et là, on va parler de 2020, au moins 25 000 chefs de groupe. Donc là, il y a une accélération qui se passe. Anna l'a très bien dit. On va passer de 2 milliards à 5 milliards en l'espace de 2 à 5 ans. Ça va arriver, et je vais être peut-être un petit peu direct avec vous, ça va être arrivé avec ou sans vous. La question, c'est, est-ce que vous allez faire quelque chose avec ça? Est-ce que vous allez jeter l'opportunité et le regretter le reste de votre vie? Ou est-ce que vous allez vous positionner? Vous n'avez aucun risque. Moi, ce que je dis toujours, vous n'avez aucun risque. Au pire, tu as des produits moins chers. Et commencer à construire un business, on se dit, attends, mais je connais du monde. Vous connaissez les gens qui veulent rajeunir, vous connaissez les gens qui veulent gagner un revenu additionnel, vous connaissez les gens qui en ont marre d'en avoir marre. Ouais. Donc, il suffit de leur offrir l'opportunité. Tout le monde ne va pas démarrer. Et c'est au moins les gens qui vont commencer à démarrer, c'est les aider à atteindre leur objectif. Et quand vous les aidez, vous vous aidez vous-même. Donc, il y a vraiment une opportunité. On l'a dit tout à l'heure, on a une recette qui fonctionne, qui s'appelle OTG System 7, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Chez nous, ce n'est pas à vous démarrer et à revoir. On va vous aider, on va vous accompagner, on va vous enseigner les choses. C'est en réussissant, en vous aidant à vous réussir, qu'on réussit. Donc, ce système est absolument fantastique. J'aime l'exemple souvent de la recette de gâteau au chocolat. Moi, je ne sais pas faire un gâteau au chocolat, en tout cas pas par cœur. Mais si je veux apprendre à faire un bon gâteau au chocolat, je vais aller chez ma grand-mère, la plus connue de Strasbourg, qui fait le meilleur gâteau au chocolat de Strasbourg, et je vais apprendre par cœur ce qu'elle fait, pas vrai? Je vais mettre mon égo, moi je connais mieux parce que tu sais, on a le monde à changer. Non, elle fait le meilleur gâteau au chocolat, je vais copier-coller. Si elle me dit qu'il faut mettre de l'amour dedans, je vais mettre de l'amour dedans. S'il faut acheter le four, Bosch, je vais acheter le four Bosch. Vous voyez, je vais copier-coller sa recette et je suis certain d'avoir le même gâteau au chocolat. Et c'est ce qu'on va vous enseigner, c'est cette recette qui a fait maintenant, qui a aidé des milliers de personnes à réussir, et ce qui a une meilleure qualité de vie. Qui permet de se lever le matin avec moins de stress. Et puis, je n'ai pas besoin de courir après l'argent. Je peux commencer à respirer, passer du temps avec mes enfants, à voyager, reprendre mes rêves, à peut-être m'acheter des chaussures plus jolies, à offrir un cadeau que je ne pouvais pas. Enlever cette frustration qui est quotidienne pour la majorité des gens. Donc voilà, donc on va répéter, il y a des tendances, avec un marché absolument énorme, un partenaire, vous pouvez absolument compter dessus. Mes épreuves depuis 84, des produits brevetés uniques avec des résultats immédiats, et surtout, long terme, rémunération absolument incomparable, et le timing est absolument parfait. Réellement, d'ici 3-4 ans, tout le monde connaît New Skin. Je vais être très sincère, ça va arriver. On disait ça il y a quelques années déjà, qu'il y aura beaucoup de gens que vous allez connaître, et réellement, il y a un phénomène déjà en Alsace, bah, vous allez appuyer sur peut-être 10 personnes, vous avez au moins une ou deux qui connaissent. Ça arrive, pas vrai? Ah, mais je connais New Skin, j'ai entendu parler, ou j'achète déjà, je suis déjà client. Ça peut arriver. Donc je ne dis pas que tout le monde l'a fait, il y a encore le potentiel. Comme l'a dit Laurence, il faut qu'on fasse fois 100 juste pour faire 1% de population. Il y a de quoi faire. Et bon, en parrainant des gens en Alsace, vous allez voir une amie qui va vous dire, mais moi je connais ma cousine qui est à Paris, puis elle va parler à Paris, qui connaît son frère qui est aux États-Unis, et votre business part aux États-Unis. Et ça va devenir une des plus grandes lignées pour vous. Vous m'avez parrainé il y a 11 ans, vous n'aurez pas de problème financier le reste de votre vie. C'est aussi bête que ça. C'est vrai, mais il faut juste comprendre ça. Quoi. Donc, ils sont dedans, il y a des leaders là-dedans. Il faut juste se mettre en action, ok? Il faut sortir le... Bref, vous avez compris? Et commencer à faire les choses. Hein. Donc voilà. Donc, le timing est parfait pour tout. Vous avez les tendances de l'économie, vous avez tout au feu vert. La question, c'est est-ce que vous allez vous mettre un feu vert ou est-ce que vous allez chercher des excuses? Si c'est le truc qui peut vous arrêter, s'il vous plaît. La seule chose qui va pouvoir vous arrêter, ce sont vos excuses. Moi, j'ai failli ne pas le faire ce business parce que je me suis trouvé des excuses au départ. Je me suis dit, oui, mais je suis trop jeune. Je connais personne. Les gens en Alsace, ils sont différents. On dit ça, c'est marrant ce qu'on dit ça. On se balade dans toutes les régions. Attends, à Bordeaux, hein. Ah, ils sont vraiment différents, ils sont trop fermés. Hein. Donc, à Nice, mais ils sont trop superficiels. Puis on arrive en Italie, ah non, les Italiens, mais ça soit rigolo, à chaque fois dans la même région, bon, ça explose. Hein. Vous voyez, la seule chose qui peut vous arrêter, ce n'est pas l'opportunité, ce sont les excuses. Hein. Et je fais bien le mot sur les mots excuses. J'ai pas le temps, je connais personne, je suis pas assez bon, je suis trop jeune, je suis trop vieux.
Okay. Il y a déjà tout le monde qui a été parrainé. Il y a 400 000 personnes, il n'y a pas 400 000 personnes dans la salle encore. Okay. Donc il y a d'autres personnes qui sont là, okay. Il y a encore du potentiel, même s'il y a déjà un beau développement et un magnifique développement au passage. Bravo encore aux leaders qui font un travail fantastique ici. Et juste pour vous dire que la seule chose qui peut vous arrêter sont les excuses. Tout le monde, et clairement, vous pouvez réussir. Tout le monde. Il ne faut pas être fantastique pour réussir. Il faut s'y mettre, être sincère, honnête, pas faire son commerce à la deux balles. Ça, c'est surtout pas ce qu'on veut chez nous. Être sincère avec les gens, leur présenter un business ou un produit, leur expliquer comment ils peuvent améliorer la qualité de vie. Et vous faites ça encore et encore et encore et encore. Statistiquement, il y aura 3 sur 10 qui vont peut-être démarrer. Le reste vont vous donner une recommandation de devenir des clients. Que ce soit 3 sur 10, il y en a un qui va vraiment avancer. Les autres qui vont avancer à leur rythme. Chacun à son rythme. Mais vous allez grandir votre business, puis 1, puis 2, puis 3. Il y en a qu'on vous retrouve. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Vous êtes diamant bleu. Je vais juste prendre un dernier exemple. Hello Marine. Marine, non mais juste, je vais te faire parler, parce que si on a paniqué complètement, on avec un gars, parce que j'ai pas envie, parce que j'apprécie dans un monde, donc je veux que tu restes en vie. Ok, Marine, juste, tu as démarré il y a combien de temps? 3 ans. 3 ans, ok. Et tu t'es mis vraiment il y a combien de temps? Ma fille est Dès le départ, non, ok. Dès le départ. Ok, très bien. Tu as combien de personnes dans la salle ce soir? 23 personnes. 23 personnes, ok. D'ici un ou deux mois, elle sera 50 personnes. Elle a tué les excuses, elle est là avec une petite tonne comme tout le monde. Mais je suis pas assez bonne, je suis pas ceci, je suis là. Ah bah ouais. Et à un moment, elle a dit, non, ça suffit, je me mets en action. Là, il y a 23 personnes dans la salle et ça va grandir et grandir. Moi, je me rappelle toujours comme c'était toi, j'étais à Paris. Je me retourne, je fais, mais j'ai 20 personnes dans la salle. Vous voyez? Et j'avais compris que ça marchait. Maintenant, quand je regarde ça, c'est normal qu'il y ait 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Mais bon, ok, c'est normal parce que ça a grandi, ça a dupliqué. Donc, ça, c'est ce qui peut arriver comme vous pour Marilyn. Marilyn, vous pouvez la voir. Tu peux te lever, Marilyn. Vous voyez, elle a deux bras, deux jambes. Elle est normale. Mais la seule chose, elle est quelqu'un d'honnête, positive. Elle a le sourire, elle a la banane et elle se met en action. C'est tout ce qu'il faut faire. Ok, vous êtes capable de dupliquer Marilyn. Vous allez avoir une magnifique vie. Tu t'éclates dans ce business? Je m'éclate. Yes. Bon, alors. Si vous avez le bon cœur et tout ça, on vous souhaite bienvenue chez Uskin. Et là, c'est vraiment c'est ça, on se retrouve tous au bar. Vous pouvez tranquillement vous approcher, vous allez voir, il y a des leaders que vous avez entendu parler, ils sont tout à fait normaux. Rien de spécial. Vous pouvez poser toutes vos questions, vraiment poser vos questions. On est là vraiment pour vous aider. Et puis, on vous souhaite bon vent, tout le succès. Et réellement, on est là pour vous aider à réussir. Tout le meilleur à vous. Et encore merci et bravo à tous les deux.